redemption. Devils hide behind redemption. Honesty is the one way gate to hell. I want to taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. Music till the wick burns out. Thank you.
Bonjour les beautés en herbe. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est mon premier live. Alors bon, bien sûr, comme prévu, tout ne s'est pas passé comme il le devrait. Mais bon, je vais vous expliquer hein, quand même. Parce que ça fait un moment, hein, moi, que je veux faire des lives. Bref. Donc en tout cas, vous me direz si au moins le son fonctionne. Parce que si le son fonctionne et que l'image ne fonctionne pas, on s'en fout de l'image un petit peu. Surtout qu'on va juste discuter aujourd'hui, hein. Par contre, effectivement, si il y a ni le son ni l'image, bah là ça peut être gênant, effectivement, oui. Mais est-ce que vous m'entendez bien aussi? Parce que l'image, on s'en fout, hein. Oh bah Yougos en même temps à dire que j'avais la webcam alors que j'avais le retour sur mon téléphone et puis qu'il n'y avait rien qui s'affichait à l'écran, ça c'est pas malin. La voix décalée avec l'image, on s'en fout. Est-ce que vous entendez correctement? L'image, je pourrais pas faire mieux. Mon ordinateur est beaucoup trop pourri, vous le savez. Si vous me suivez sur YouTube, d'ailleurs je vais faire une courte présentation après parce que je pense que certaines personnes ne me connaissent pas. Donc quand même, je ferai... Je ferai une petite présentation, mais effectivement, si vous me suivez sur YouTube, vous savez pourquoi c'est juste pas possible pour moi de travailler avec un ordinateur pareil. Ah si parfois ça charge, ça c'est chiant par contre. Mais après c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas la fibre, et si vous n'avez pas la fibre optique, eh bien vous ne pouvez pas être sur Twitch. Et oui, c'est pour ça que j'ai attendu très très longtemps pour eh bien faire des lives, c'est parce que moi-même j'avais pas la fibre. Bon, écoutez, je pense que ceux qui ont la fibre optique me disent que le son est plutôt bon. Donc, si ça plante, c'est parce que... Oui, je sais que l'image sur un stream, c'est important, Lady. Mais... Pour une première, on va faire comme ça. Et puis, de toute façon, c'est important. Y a aussi des podcasts hein, qui n'ont pas d'image. Donc, ça peut être bien aussi tout simplement de discuter. Et c'est important surtout quand on fait des choses avec cette image. C'est-à-dire que moi, pour le moment, là, j'ai pas prévu ni de faire de maquillage en direct, ni de faire de jeux vidéo, ni de rien du tout. J'ai juste prévu, en fait, de discuter pour mon premier live. Ah oui, mais non, mais moi j'ai mis la qualité au minimum là pour mon premier live. Alors en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi je voulais faire en fait des lives tests. C'est-à-dire que je voulais faire des tests de mon côté pour voir quel réglage fonctionne le mieux dans mon logiciel de streaming. Le problème, c'est que la première fois quand j'ai fait un test, ça a envoyé une notification à tous mes followers, c'est-à-dire toutes les personnes qui suivent ma chaîne Twitch. Alors que ça n'aurait pas dû, puisque j'avais justement configuré le logiciel pour ne pas envoyer de notification. Donc tout le monde a cru que c'était un live, alors qu'en fait c'était juste, eh bien, un test. Et bah du coup, moi j'ai contacté Twitch, et j'ai demandé à Twitch sur Twitter comment ça se fait qu'en désactivant les notifications, elles soient quand même envoyées. J'ai pas eu de réponse quand même, je suis parti 15 jours en vacances, j'ai pas eu de réponse de la part de Twitch, donc du coup j'ai envoyé un message au support, c'est-à-dire sur le site de Twitch, hein, carrément. Je suis pas passé par un réseau social, Twitter, etc. Et bah, il s'avère qu'au bout d'une semaine, ils ne m'ont toujours pas répondu. Donc du coup, bah voilà, je teste en même temps que je fais un live. Parce que du coup, je vais pas tester de mon côté en catimini avec des petites courtes vidéos. Alors que vous allez avoir les notifications. Autant faire un live directement, vous voyez. Parce que, effectivement, si vous avez les notifications, bah, moi de mon côté, je peux pas juste faire un live avec un mur qui filmerait juste une image, voyez, ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est mon premier live. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur Twitch? Vous allez sûrement vous poser la question. Bah, je pense que de temps en temps, j'irai quand même dans la catégorie Beauty and Body Art. C'est-à-dire que je vais faire eh bien, tout simplement des maquillages en direct. Pas au début, j'attends de régler déjà les problèmes.
Et bien également, des fois, on discutera comme on le fait aujourd'hui. Il y aura peut-être des sujets aussi qui seront mis en place. J'avoue que je n'ai pas encore beaucoup songé à tout ça. Bien sûr, il y aura sûrement des unboxing. Vous le savez, moi j'aime beaucoup les unboxing. J'aime bien ouvrir des boîtes et ne pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour éviter de saturer ma chaîne YouTube en vidéo unboxing, je risque effectivement d'en faire quelques-uns sur Twitch. Et également, j'ouvrirai quelques colis qui m'ont été envoyés par des abonnés si je reçois encore des colis. Mais je sais que j'ai eu des mails à propos de colis qui devraient arriver, là, donc il faut que je réponde, bien sûr. J'ai pas eu le temps aujourd'hui parce que j'ai préparé beaucoup de choses pour ce live. Et voilà. Bah écoute, moi oui, si tu sais pourquoi l'image est comme ça, fais-moi signe, parce que moi non plus je comprends pas pourquoi. Alors après, je suis sous Linux, hein, ça il faut le savoir aussi. Moi je suis sous Linux et c'est peut-être pour ça. Parce que Linux c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile. Alors sinon j'ai une autre question. Est-ce que la musique de fond est pas trop forte? C'est une question que je me dois de vous poser également. Est-ce que vous entendez la musique de fond? Parce que peut-être que je l'ai trop baissée. Parce que moi je sais pas encore les réglages. Paul, c'est pas moi qui a programmé le site. Hein. Twitch, c'est pas beau. J'y peux rien. C'est violet. Moi, j'aime bien. C'est ma couleur préférée. Ah, YouTube, c'est mieux. Alors, oui, mais non. Parce que YouTube, c'est mieux. Mais YouTube, comment te dire? Il y a beaucoup de personnes qui sont méchantes sur YouTube. Alors, oui. Très bonne question. Donc, de Akela61, je ferai des lives quand? Donc, il faut savoir qu'avant, je faisais sur YouTube tous les vendredis à partir de 17h des avant-premières. Donc, l'avant-première, c'est quoi? C'est tout simplement une diffusion en direct d'une vidéo avec un chat et donc on discutait en même temps que finalement la lecture de la vidéo. D'ailleurs cette vidéo était pré-filmée, c'était pas du live. Le problème c'est que beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'est-ce que c'était qu'une avant-première, hein, que c'était une vidéo pré-filmée avec donc un chat sur lequel on peut discuter de la vidéo. Donc du coup j'ai arrêté les avant-premières et à la place effectivement il y aura des lives donc tous les vendredis normalement. À partir de 17h, voilà. Et alors, à quelle heure est-ce que ça va se finir? Ben, j'en ai pas la moindre idée. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vois que, hop, je suis pas à jour sur mon téléphone. Ah, je pense pas. On peut essayer de désactiver, hein, voilà, parce que moi j'ai différents trucs, vous voyez. J'ai notamment, alors je vais vous les présenter, donc vous avez... Ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Donc c'était pour vous montrer. Donc vous avez le premier écran qui est donc l'écran de démarrage avec un compte à rebours. Alors vous allez sûrement vous demander à quoi ça sert un compte à rebours. Eh bien c'est en fait le temps que Twitch envoie les notifications. Ça met quelques minutes. Donc voilà, le temps que votre téléphone reçoit la notification, ça met quelques minutes. Du coup, eh bien au début du stream, il est d'usage de mettre un petit compte à rebours pour que toutes les personnes aient le temps de recevoir la notification et de démarrer le live. Voilà, donc vous avez un premier écran qui est l'écran de démarrage. Celui-là, vous l'avez vu beaucoup et vous le verrez encore beaucoup si je fais des tests, hein, puisqu'on fera des tests plusieurs semaines d'affilée. Du coup, alors vous avez cet écran ici où il y a les notifications, le chat et donc ma webcam. Mais ma webcam, elle est un petit peu réduite au niveau de la largeur. C'est l'écran que vous verrez le plus souvent, je pense, quand je discute. Mais après également, pour tester justement si c'est pas le chat qui fait planter, eh bien il y a cet écran-là en plein écran en fait, tout simplement. Donc là on voit un petit peu mieux mon horloge d'ailleurs. C'est un compteur en temps réel, c'est-à-dire que si vous me suivez sur Twitch, eh bien normalement il y a une alerte qui s'affiche là, normalement, parce que ça aussi ça fonctionne quand ça veut. Mais donc voilà, vous voyez ici je peux désactiver donc, hop, le chat, et dites-moi si du coup vous pensez que c'est plus fluide. Ah, est-ce que c'est plus fluide en plein écran si je désactive le chat? C'est une très bonne question.
Ah non, mais elle est tombée plusieurs fois, hein, crocodile, mon horloge. En fait, autant vous le dire tout de suite, pour vous expliquer la chose là derrière, d'ailleurs ça se voit un petit peu là parce qu'il y a de l'éclairage derrière mon fond, c'est un portant pour le linge, hein, ça, hein, que j'utilise dans mes vidéos aussi bien sur YouTube que sur Twitch. Et donc, bah, du coup, c'est pas très stable, surtout qu'il a de l'âge. Et bien du coup, ce fameux portant pour le linge, parfois, il arrive de se casser la figure. Il lui arrive de se casser la figure. Je vais y arriver. Et donc du coup, bah, d'ailleurs, si ça se casse la figure, j'ai prévu un petit bouton alerte. Et si j'appuie dessus, ah oui, si j'appuie dessus, eh bien ça coupe le son et ça coupe l'image. C'est en cas d'urgence, ça, vous voyez. Alors après, j'ai un petit écran de pause également. Et un petit écran de fin que vous verrez, bah, je pense, dans ce live. Voilà. Après, n'hésitez pas, si le son et l'image sont décalés, n'hésitez pas à réactualiser la page ou à fermer l'application et à la rouvrir, hein. Ah, ça parle déjà du Z-Event. Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi, je suis pas gaming. Vous aurez pas de gaming ici. Donc, les histoires du gaming ne me regardent pas. Par contre, les histoires du monde de la beauté, de la biotisphère, oui, ces histoires-là m'intéressent. Et il y en a assez dans la biotisphère, donc je vais pas me mêler des histoires de gaming. Voilà. Du coup, je vais mettre mon téléphone un peu plus haut, hein, parce que là, je regarde vers le bas. Révélation, c'était important depuis le début. Oui, depuis le début, c'était important, mais je l'ai déjà dit sur Snapchat, donc il faut me suivre sur Snapchat pour avoir ces petites astuces. Alors, pourquoi je ne fais pas de live sur YouTube? C'est une chose que j'ai déjà dit en commentaire sur YouTube. YouTube, ils sont bien gentils, hein. YouTube, ils sont bien gentils, mais c'est un peu le bordel sur YouTube à tous les niveaux, hein. À tous les niveaux, en ce moment, c'est le bordel. Les annonceurs se barrent, donc il n'y a plus de publicité affichée. Donc, eh bien, tout simplement, influenceurs, créateurs de contenu ne sont plus rémunérés. Donc, c'est un petit peu travail gratuit en ce moment sur YouTube. Et également, ils n'ont jamais compris sur YouTube qu'il faudrait payer des modérateurs, embaucher des modérateurs pour surveiller, eh bien, finalement, ce que font les gens sur leur plateforme. Et comme il n'y a pas tout ça, eh bien, du coup, c'est la foire sur YouTube. Et moi, j'ai pas envie de faire des lives sur YouTube pour me faire incendier par des personnes. Même si, au final, eh bien, je sais que j'ai installé des systèmes de modération automatique, mais voilà, moi, tant que la plateforme ne sera pas plus pure, eh bien, je continuerai mes lives sur Twitch et mes vidéos sur YouTube. À savoir également que, hein, si un jour YouTube ferme, eh bien, j'aurai toujours Twitch, et si un jour Twitch ferme, j'aurai toujours YouTube. Donc voilà, c'est aussi une sécurité pour moi, hein. Parce que voilà, j'ai pas envie de perdre mes communautés parce qu'un site ferme. Et ça peut arriver, hein, ça peut arriver effectivement, hein. Alors effectivement, vous le voyez sur cette petite horloge-là, j'ai prévu une FAQ pour mes 60 000 abonnés. Sauf que j'ai très peu de questions finalement qui ont été posées pour cette foire aux questions. Alors j'attends d'avoir un peu plus de questions avant de lancer ma foire aux questions. D'ailleurs, je pense faire cette FAQ pour la rentrée. Et donc, pour la rentrée, ça veut dire tout simplement, eh bien, début septembre, quoi. Pas le premier du mois de septembre, hein, mais les premières semaines du mois de septembre. Si vous voulez poser votre question sur ma foire aux questions, des questions qui ont plus rapport avec la beauté, avec moi, tout simplement, ou avec YouTube, eh bien, il faut le faire sur Instagram. Normalement, vous avez mon Instagram en dessous de ce live. Et donc vous pouvez accéder à des images. Il y a une image sur laquelle je dis voilà, je lance une FAQ et vous pouvez poser des questions. Mais tant que j'aurai pas beaucoup de questions et des questions intéressantes, ben je pourrais pas faire de FAQ. Je vais pas faire une FAQ avec trois questions, dont une seule intéressante. Ben, l'image est plutôt belle, mais c'est une webcam premier prix. Alors je tiens à le dire aussi, j'ai pas fait de frais pour ces lives parce que j'attends de voir si ça fonctionne, hein. Donc pour l'instant, c'est du matériel que j'avais déjà.
Alors, pour la petite anecdote, oui, vous le savez peut-être pas, mais moi j'ai déjà fait des lives. À l'époque, j'étais pas du tout connu. Mais alors, j'ai commencé un petit peu ma vie sur internet en étant modérateur sur un site de chat qui s'appelait Best of Chat, qui a fermé depuis. Donc, moi j'étais modérateur sur Best of Chat et c'était un des premiers chats français avec webcam. C'est-à-dire que je mettais déjà ma webcam et je discutais déjà avec les gens. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise. Après, effectivement, le site a fermé, mais moi je continuais sur blogvideo.tv. Il me semble que ça a fermé aussi. Donc, écoutez, blogvideo.tv c'était tout simplement du streaming. Sauf qu'à l'époque, c'était pas du tout connu le streaming. Hein. Ils étaient un peu précurseurs. Bon, ça n'a jamais très bien fonctionné, mais ça avait le mérite d'exister. Donc, sur blogvideo.tv, je faisais des vidéos en direct et ensuite je me suis lancé sur YouTube. Et après j'ai complètement arrêté les lives parce que j'avais plus forcément le temps, mais également les sites étaient fermés. Et là, j'ai décidé de m'y remettre parce que c'est quand même plus simple de s'exprimer en direct plutôt que de s'exprimer par commentaire interposé sur YouTube. Voilà. Alors oui, si vous n'avez pas Instagram, faut s'inscrire sur Instagram. Au bout d'un moment, voilà, moi si je demande de poser des questions sur Twitter, il y en a, ils vont me répondre j'ai pas Twitter. Si je demande des questions sur Instagram, ils vont me dire j'ai pas Instagram. Si je dis posez vos questions en commentaire sur YouTube, ça va être un bordel sans nom, j'arriverai même pas à retrouver les questions. Donc au bout d'un moment, quand un service est gratuit, au pire vous vous inscrivez, vous posez votre question et vous supprimez votre compte, quoi. Ah mais j'ai pas de... Moi je m'en fous du nombre de vues. Hein. Déjà sur YouTube de plus en plus je m'en fous du nombre de vues. Parce que le nombre de vues ça veut pas dire grand chose. C'est-à-dire que de plus en plus sur YouTube on ne gagne pas plus d'argent en fonction du nombre de vues. C'est tellement devenu bizarre la monétisation sur YouTube depuis qu'ils ont eu des problèmes. Que maintenant ça veut rien dire. Il y a des vidéos avec moins de vues qui rapportent plus. Il y a des vidéos avec beaucoup de vues qui rapportent moins. Et donc on est déçu parce qu'on se dit mince, il y a plein de vues et puis en fait ça n'a rien rapporté. Donc pareil sur Twitch, je sais même pas à combien on est, hein. Mais voilà, peu importe. De toute façon c'est mes premiers lives et il faut savoir, les premiers lives ne peuvent pas être monétisés sur Twitch. Hein, donc voilà, c'est... Puis alors j'ai vu, hein, pour être monétisable sur Twitch, il faut tout simplement faire énormément de live et j'ai envie de dire presque passer ses journées uniquement à ça, parce qu'il faut beaucoup d'heures par semaine pour pouvoir être au moins partenaire ou affilié, donc voilà. De quelle origine es-tu ? Ce genre de questions, faudrait les poser pour ma foire aux questions, parce que du coup, on se sent un petit peu seul en dessous de la photo pour la foire aux questions. Hein. Alors, un cheat chat make-up sera-t-il possible en live sur Twitch ? Oui, c'est prévu. Hein. Comme je l'ai dit précédemment, je pense que je vais faire tout simplement des lives maquillage où je ne serai pas maquillé au début de live et où je serai maquillé en fin de live. Alors merci également à tous ceux qui me suivent. Voilà, parce que j'ai des followers qui débarquent. J'entends les alertes, vous devez les entendre aussi. Le petit souci, c'est qu'on ne les voit pas parce que je les ai désactivés, sinon ça rame. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre l'historique de toutes ces alertes et je vais faire un petit point sur mes statistiques. Alors déjà, actuellement, si on regarde, parce que ça c'est génial aussi, il faut que je vous remercie. Hein, si on regarde... Tous les follows que j'ai avant même de liver, là, on est déjà à 375 followers. C'est génial, c'est énorme. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui s'inscrivrait ici. Et donc, je remercie Baby Rose qui suit ma chaîne depuis une minute. Il y a Twitch Radio Club TV également qui suit ma chaîne depuis 7 minutes. Gamou Mou Mou qui suit ma chaîne depuis 9 minutes.
HSCan qui suit également ma chaîne depuis 26 minutes. Hop, et puis merci également à tous les autres. Mais voyez, 375, ça va faire beaucoup. Hein. Donc, je ferai des petits points subs comme ça au fur et à mesure. Alors, c'est même pas des subs, c'est des followers. Hein. Oui, alors, pour vous expliquer la différence, ici, on peut donc suivre une chaîne, c'est-à-dire être au courant et recevoir les notifications quand le streamer est en live, ou alors être sub, c'est-à-dire prendre un abonnement payant pour soutenir son créateur. Moi, pour l'instant, il n'y aura pas de sub, hein, bien sûr, puisque je viens tout simplement de démarrer et qu'au début, on peut pas, comme je viens de le préciser, on peut pas gagner d'argent sur Twitch, on peut pas proposer de services payants hein, sur Twitch. Mais voilà, merci à tous ces followers et voilà, c'est cool, vous êtes géniaux et puis ça me fait plaisir, voilà. Alors, je sais pas combien on est. Si je regarde un peu sur mon téléphone, je vois même pas le nombre. Quelqu'un a-t-il cette information? Tiens, je vais vous laisser un petit peu travailler aussi, hein, parce que c'est communautaire, Internet. Hein. Alors, est-ce que vous avez vu combien on est actuellement, hein? Ma voix est légèrement plus grave que sur YouTube, c'est pas le même micro. En fait, j'ai un micro, c'est pour ça des fois que je regarde en l'air, parce que c'est pas habituel, vous voyez? Ah, je me suis posé la question d'ailleurs si je devais laisser le micro comme ça, apparent, ou s'il fallait le cacher. Ça, c'est une question que je me pose également. Hein, parce que peut-être que c'est mieux avec ou peut-être que c'est mieux sans micro, je sais pas. Je ne sais pas. Alors également, des petites informations quand même qui me semblent intéressantes. Il faut savoir que il y a un décalage entre l'envoi d'un texte, l'envoi d'un message sur le chat et la réception. Voilà, c'est juste pour éviter les personnes qui essayent de faire n'importe quoi. Hein. Quand vous envoyez un message, il n'est pas tout de suite affiché à l'écran. Non, il y a un petit détail, moi je le vois à l'avance. Par pitié, touche plus au micro. C'est pas prévu hein, de toucher au micro. Hein. J'ai pas prévu de toucher au micro. Voilà, mais c'était juste pour vous le montrer quand même. Une fois, c'est un micro Logitech d'ailleurs que j'ai trouvé dans un dépôt vente. Alors, le dépôt vente avait marqué que c'était un micro pour console, hein, console de jeux vidéo. Oui, ça m'a fait rire parce que c'est un branchement USB. Et donc, quand je l'ai pris, je me suis dit c'est un micro pour les jeux musicaux de la Wii, mais à mon avis ça marche sur ordinateur cette histoire. En plus c'est un Logitech, je savais pas que Logitech faisait des accessoires pour Wii. Et finalement, oui, il fonctionne sur ordinateur, donc voilà, il est normalement plutôt de bonne qualité. Plutôt de bonne qualité, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. Je préfère cacher. Ah ben, c'est très bien alors. Miss Petit Chat, on va faire comme t'as dit. Hein. T'es la, je pense, la première à avoir répondu. Donc, tout simplement. Ah non, c'est pas la première à avoir répondu. Hein. Ah ah ! Du coup, on va faire un sondage. On va pas commencer déjà à faire un sondage. Est-ce qu'on va faire un sondage Stropol pour savoir si on laisse le micro apparent ou caché ? Ah ah ! Ah oui, non, mais ça spam, hein, parce que le seul moyen, en fait, de me soutenir, c'est tout simplement d'aller voir mes vidéos sur YouTube. Donc, effectivement, le bot spam, mais je peux le régler, tout ça, hein, je peux le régler. Hein. Après, il spam pas les mêmes messages, c'est ça l'histoire. Est-ce que je fais un gros message avec tout qui s'affiche toutes les demi-heures, ou est-ce que je fais des petits messages qui s'affichent régulièrement? Non, mais alors, vous inquiétez pas, je vous prépare un petit sondage là pour savoir si effectivement, il faut mieux cacher ou faire apparaître le micro. Promis, hein, si je touche au micro, je coupe le son. Hein. Ah, c'est sûr que si le micro est apparent, mais bon, pour me maquiller après, il y aura une partie du visage qui sera cachée par le micro. Le micro. Point d'interrogation. On va mettre apparent.
caché. Alors, je suis en train de faire mon petit sondage, j'arrive. Voilà, le chat est tout en bas. Ben dis donc, ça rame hein, cet ordinateur. Bon, donc, je vous mets un petit lien. Vous cliquez dessus, vous cochez la case et vous choisissez le micro apparent ou caché. Voilà. Et vous me dites, eh bien, si vous préférez qu'on voit le micro ou si vous préférez en fait que je le mette hors champ de la caméra. Voilà, on va se dire 10 minutes, il est 56, et eh bien à 6, on aura la réponse. Alors, après, je peux le pencher le micro, peut-être que le son sera meilleur. Je vais couper le son hein, du micro, sinon je vais me faire disputer. Est-ce que le son est meilleur comme ça? Ah mais Anouk, il faut pas voter en fonction de la majorité, il faut voter ce que toi tu veux, hein. Il faut jamais suivre les gens, hein, parce que si tout le monde vote pour le... je sais pas... l'apocalypse, toi tu vas quand même pas dire oui, je suis d'accord pour l'apocalypse. Ah oui, je suis sûr que oui, le son est mieux avec le micro plus près, mais après je peux mettre le micro plus près quand je me maquille pas et... treize spectateurs, bah c'est déjà pas mal pour une première. Alors en fait, oui, alors... Dany HL, en fait je voudrais un coussin YouTube plus un coussin Twitch maintenant. Mais du coup j'ai pas de coussin Twitch, va falloir que je cherche sur internet où trouver ça. Et donc, du coup, eh bien, je me suis dit, je vais pas mettre YouTube sans Twitch, ou Twitch sans YouTube. Donc du coup, bah, j'ai rien mis comme coussin. Mais vous inquiétez pas, les coussins un petit peu kitsch vont revenir. Hein. Bien sûr, vous savez. Hein. Moi, j'aime le kitsch, donc... Alors, Baby Rose, très bonne question pour ma foire aux questions. Je t'invite à la poser sur Instagram. Bon, je vais remonter un petit peu au niveau du chat et on va faire un petit point sondage. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce sondage? Hop, alors moi, peut-être qu'il faut que je vote. Non, je vais juste cliquer sur Result, parce que moi, c'est bon, après, je pourrais voter caché, puisque moi, je l'avais caché, ce micro, mais... Visiblement, on est à 27 votes sur le caché, donc vous voyez, je pense qu'il va rester caché, hein, ce petit micro. Hein. Eh oui. Eh oui. Alors après, normalement, c'est parce qu'également, il est censé avoir des alertes, etc. qui s'affichent. Hein. Moi, je vais bien essayer de les réactiver. Mais si je les active, peut-être que ça va ramer, non? Vous me direz. Je vais surveiller ça sur mon téléphone, parce qu'après tout, je vois hein, si ça rame sur mon téléphone, puisque j'ai un retour, vous voyez, je me vois. C'est Inception. Ce qui est bien, c'est que j'ai une superbe fibre. Donc avec ma fibre, eh bien, je peux faire plein de choses et notamment eh bien, avoir le téléphone qui fonctionne et le stream en même temps, c'est magnifique.
Alors, l'outre du Shield, très bonne question pour ma foire aux questions. Tout ce qui est rapport avec YouTube, etc., ce sera plutôt pour une foire aux questions. Hein. Allez, on va faire un petit point sub, parce que, enfin, un petit point follower, hein, puisque ça va très très vite. Je m'y fais pas à ce mot follower. J'aimerais bien un petit mot français, parce que si je parle d'abonnement, les gens vont comprendre que c'est des subs et les abonnements payants. Mais alors, les followers, si on traduit avec un dictionnaire, ça veut dire les suiveurs. Mais alors, suiveurs, je trouve ça moche en français. Si vous avez une traduction pour le mot followers, pour, dans mon cerveau, j'arrive à parler des followers en français, eh bien, ce serait pas mal. Alors, qui sait, eh bien, tout simplement intéressé à mon live. Eh bien, on a Yougos69. Yougos69. Donc, merci, Yougos69, Claire12, Ricky Choup, Mama69, Nicopol. 18000 et Will81387. J'ai pas mes lunettes, ça se remarque. D'ailleurs, j'ai prévu mes lunettes. Hein. Je pense que je vais bientôt les mettre parce que mes yeux commencent à fatiguer. Ça fait déjà un petit moment hein, qu'on est en live. Parce que, mon Dieu, que le temps passe vite. Alors, d'ailleurs, dites-moi. Est-ce que ça rame depuis que j'ai remis le chat ? Fabien20, si tu veux m'envoyer un lien pour un coussin Twitch, envoie-le sur Twitter. Parce que sur Twitter, effectivement, tu pourras m'identifier et envoyer des liens. Ici, j'ai bloqué, bien sûr. Hein. J'ai verrouillé le truc au maximum. Hein. J'ai l'impression que ça marche mieux qu'au début. Hein. Peut-être que Twitch a fait quelque chose. Parce qu'on est nombreux, ils ont dit « Ouh là là, celui-là, il faut activer le mode super turbo parce qu'il y a du monde qui le regarde. » Non, ça rame, hein. On va enlever... Hop, on enlève ça et normalement ça devrait plus ramer. Bon, bah écoutez, on verra pourquoi ça rame, hein. J'essaierai de faire des petits réglages, mais bon... Alors si tu es sur l'application mobile, Peggy, tu as un petit cœur. Si tu es sur le site internet, eh bien, normalement, c'est marqué « Suivre », il me semble. Alors, merci également donc à NitixXD qui suit ma chaîne. Merci à Moutro et merci à Richard Pinard. Quel beau pseudo. Hop. Alors, est-ce que vous entendez quand je clique? Parce que ça aussi, c'est un truc. J'ai que 3 prises USB sur mon ordinateur. Donc, il y a une prise USB pour le micro, une prise USB pour la webcam. Et après, une autre prise USB qui est utilisée pour autre chose. Du coup, bah, ça aussi, c'est un problème. J'ai plus de souris, j'ai plus de clavier. Je suis obligé d'utiliser la souris et le clavier de l'ordinateur. C'est vraiment pas pratique. Alors, j'ai essayé des extensions USB, hein, des hubs USB, mais j'ai l'impression que ça marche pas, ces trucs-là. Puis alors, à mon avis, si je mets ça sur des hubs USB, l'image et le son, vous allez avoir des saccades. Oui, c'est vrai que normalement, c'est follower 10 minutes, Yougos. Donc, normalement, si vous arrivez à m'envoyer un message, eh bien, c'est tout simplement que vous suivez ma chaîne. Merci à Anouk28 qui suit ma chaîne. Alors, j'avais envie aussi de vous parler d'autre chose. Je vais essayer de suivre en même temps le chat et de vous raconter tout ce que j'ai à vous raconter. Ça part dans tous les sens, mais ça, c'était prévu. Voilà, donc, sur mon live, vous avez des bruitages. Sur mon live, vous avez de la musique. Hein, je pense que vous l'avez remarqué.
Moi, j'ai fait des études niveau bac plus 5 en matière eh bien, de télécommunication. Donc, c'est pour ça que je gère plutôt bien tout ce qu'il y a ici. Et je sais très bien pourquoi ça rame, c'est l'ordinateur. Hein. Mais ça, il faudra un ordinateur déjà de bureau, pas un portable, et beaucoup plus puissant. Bref. Et donc, eh bien, sachez que tous les bruitages ainsi que toutes les musiques qui sont présentes sur ce live sont eh bien, libres de droit. Donc, si vous voulez, vous aussi, eh bien, connaître l'auteur, l'origine de ces bruitages, de ces musiques, eh bien, sachez tout simplement que il y a la liste en dessous du live, dans les dernières lignes, vraiment tout en bas, écrit en tout petit. Mais vous avez donc, eh bien, un lien qui mène vers donc, eh bien, le Spotify de No Copyright Sound, qui est donc une chaîne qui propose des musiques libres de droit. Et également, donc, eh bien, pour les bruitages, c'est un site qui s'appelle Freesound. Et vous avez plein de bruitages. D'ailleurs, j'ai galéré à trouver lesquels j'allais tout simplement eh bien, utiliser. Et donc, vous avez également donc, les bruitages avec eh bien, les auteurs de ces bruitages, ainsi que eh bien, les licences, je cherchais le mot parce que ce sont des licences Creative Commons, mais toutes les licences ne sont pas les mêmes pour les bruitages, donc sur chaque bruitage, vous avez les licences. Oui, j'ai déjà eu un emploi salarié. Non, ah non, stagiaire. Non, 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 non. J'ai arrêté après avoir été stagiaire dans le domaine de la sécurité informatique parce que le monde de l'entreprise ne me convient pas du tout. Alors, pas du tout. Alors, petite question là de Dani HL, je vois ici. Alors, c'est pas Anne, hein, qui m'a envoyé un colis plein d'œuvres fabriquées, c'est Cathy. Et par contre, effectivement, Anne est la gentille personne qui m'a envoyé plus d'un kilo de maquillage. Non, non, le monde de l'entreprise, pour en revenir à cette histoire, c'est pas fait pour moi, hein. Recevoir des ordres à longueur de journée, même quand c'est des ordres complètement débiles, ça ne me convient pas, je préfère être indépendant. Merci, j'ai réussi à être indépendant. Alors, du coup, il est 7. Mon Dieu, on va fermer le vote, hein. Donc, j'actualise une dernière fois donc, le petit vote pour savoir si le micro doit être caché ou apparent. Et donc, eh bien, 84% des votants ont choisi de laisser le micro hors caméra, hors champ. Donc du coup, eh bien, vous ne verrez pas ce micro. Donc sinon, je voulais ajouter également pour la semaine prochaine une petite commande dans le chat pour savoir effectivement quelle est la musique en cours. Mais j'ai peur que ça rame encore plus, donc je sais pas si je vais le faire, j'ai plutôt enlevé des choses plutôt qu'en rajouter, vous voyez. Alors, qu'est-ce que vous me racontez de beau? C'est bientôt la rentrée, hein? Qu'est-ce que vous avez prévu pour votre rentrée? Est-ce que vous avez des résolutions de rentrée? Yougos, il y a une FAQ en ce moment qui est en train d'être élaborée. Donc si vous avez des questions comme ça, mais posez-les sur la FAQ. Ça n'a rien à voir avec YouTube, ça. Enfin avec Twitch, avec même pas rien à voir avec Twitch ni YouTube. Mais bon, c'est le but de la FAQ, justement. Le mot partageur, oui. Oui, c'est beau comme mot partageur.
Ah, Yougos, t'as déjà posé ta question. Ben, j'ai pas demandé à des amis de poser la question pour toi. Non, mais de toute façon, Yougos, on fera des FAQ sur Twitch également. Hein. Sinon, on va s'ennuyer si on fait pas ça. Alors pourquoi limiter à une question par personne? Ça par contre je peux y répondre parce que ça n'a rien à voir avec voilà, allez, enfin, ça a à voir avec la FAQ, mais bon, ça ferait une inception de répondre à une question sur la FAQ dans la FAQ. Dans mes premières FAQ, il y a certaines personnes qui s'amusaient à me poser 50 questions, soit d'affilée, donc j'avais une liste et puis j'avais 50 fois la même personne, soit 50 questions, mais une par jour par exemple, et donc elles étaient intercalées avec d'autres. Et du coup, ça devenait très très compliqué pour moi de répondre aux questions parce que je répondais tout le temps aux questions des mêmes personnes. Et donc, effectivement, eh bien, j'ai fait ce choix, une seule question par personne, parce que sinon, il y a certaines personnes bah, me disaient en commentaire « Oui, mais moi, je t'ai posé une question, tu n'y as pas répondu. » Et par contre, il y a d'autres personnes qui me posaient 50 questions et je répondais aux 50 questions de la même personne. Donc ça, effectivement, c'est pour ça que bah, j'ai dit une seule question par personne. Et normalement, c'est déjà bien assez. Au moins, ça permet aussi d'avoir des questions plus intéressantes parce que vous posez vraiment une question réfléchie normalement. Vous choisissez votre question et vous posez celle qui vous semble la plus intéressante. Alors, Sherlocka et compagnie, vas-tu à la braderie de Lille? Ça, je vais y répondre tout de suite parce qu'effectivement... Ah, c'est ces jours-ci, me semble, ou la semaine prochaine. Non, je n'y vais pas. Hein. Alors, Popiette, tu réserves des créneaux horaires sur Twitch? Oui, c'est prévu, donc tous les vendredis à 17h, une fois par semaine. Ah non, mais si j'ai pas vu... Si j'ai pas vu votre question, posez-la plusieurs fois, parce qu'en plus, il y a du monde, là. Il y a déjà du monde pour une première, c'est un peu beaucoup, hein. Je sais que quand j'étais modérateur sur un site de chat, on avait parfois 400 personnes en même temps, mais j'ai plus l'habitude. Hein. Je vais mettre mes lunettes, tiens, peut-être que ça me permettra d'y voir un petit peu plus clair. Ben, ça c'est une question régio également pour la FAQ. Ça, hein, tout ça, ça devrait être dans une FAQ. Alors, Richard Pinard, écoutez, cher ami, j'ai arrêté de parler de politique depuis bien longtemps, parce que moi-même avant, j'étais membre d'un parti politique et j'étais militant et j'ai même participé à des élections, je me suis moi-même inscrit, hein, dans... Voilà, j'ai participé à des élections. Et, bah écoutez, je pense que, voilà, j'en ai eu assez, hein, j'ai saturé... Alors Pepita Morena, ça, ça a un lien effectivement avec ces lives, vu il n'y aura plus d'avant-première sur YouTube. Hein. Il n'y aura plus d'avant-première sur YouTube parce que les gens ne comprenaient pas ce que c'était. Et de toute façon, sur YouTube, les gens m'incendiaient également. Vous voyez, là, c'est mon premier live. Il y aurait pu y avoir des hordes de personnes qui débarquent pour m'enquiquiner. Ben non, ça se passe bien. Alors que sur YouTube, même quand j'étais pas en direct, il y avait juste un chat. Et ben non, à chaque fois, ça tournait en drame. Ça tournait en drame, donc... Ah bah Richard Pinard, faut regarder mes vieilles vidéos sur YouTube, tu vas savoir pour quelle partie j'étais à l'époque. Oh, vous cherchez... Ah, vous cherchez Beauté en Herbe? Non, Beauté en Herbe, il n'y aura pas de lien avec la politique. J'ai perdu 60 spectateurs en 5 minutes, mais je m'en fous, Paul. Je suis pas là pour faire du chiffre. Ça va me servir à quoi? C'est même pas rémunéré. Non, 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 non. On est là pour passer un bon moment. Moi, je suis là pour discuter avec mes fans parce que c'est plus facile à l'oral que par écrit. Et voilà. Hein, on est là, on passe un bon moment et c'est le principal.
Oui, mais Baby Ross, si j'autorise plusieurs questions et que je sélectionne les questions, là, je vais passer une semaine à sélectionner des questions. Donc, autant laisser comme ça et puis on fera autrement à la prochaine FAQ. Danny HL, je t'ai dit que cette question-là, fallait la poser à la FAQ. Ça sert à rien de la poser mille fois non plus. Quand je te réponds, je t'ai répondu, il me semble, non? Ou alors j'ai répondu à quelqu'un qui avait posé la même question, mais... Mais Nayagou, je suis entièrement d'accord avec toi. YouTube, ça devient invivable et il y a beaucoup de YouTubeurs qui se posent des questions. Hein. Alors, très bonne question de Nayagou. Eh ben, écoute, on va enchaîner parce que justement, j'ai pris un petit sac. J'ai pris un petit sac et dans ce petit sac, j'ai mis tout le maquillage que je porte aujourd'hui. Alors, je vais me remettre mon petit OBS pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est un sac de chocolat parce que j'adore le chocolat. Vous le savez, hein, si vous me suivez sur YouTube, j'adore le chocolat. Surtout que ça, c'est ma marque préférée de chocolat. Mais bon, à l'intérieur, il n'y a pas de chocolat. Il y a tout le maquillage que je porte aujourd'hui. Et donc, je vais vous faire une petite présentation comme sur YouTube. Quel maquillage je porte, tout simplement. Voilà. Alors. On va mettre le retour là quand même. Et bien, tout simplement... Je vais commencer par la base de teint. Alors, il fait très chaud encore aujourd'hui, il faut le savoir. Donc, j'ai commencé par mettre un gel anti-transpirant pour le visage. C'est le 3 Benefit Face Server Gel. Quel bel accent. Est-ce que la caméra va faire la mise au point? Je ne sais pas, ça a l'air surexposé. Bref, ça ressemble à ça. Ça, c'est très bien, c'est un petit gel transparent. Hein. C'est pas du maquillage, c'est comme un soin. Et ça empêche de transpirer. Donc, si vous transpirez souvent du visage... Même si vous êtes sportif, hein, c'est marqué dessus, hein, c'est pour les personnes qui sont actives au travail et sportifs. Et bien ça empêche de transpirer sur le visage, le front, etc. Et c'est génial. Donc moi j'en ai mis tout simplement au niveau du front et sur les tempes ici un petit peu, vous voyez. En dessous des oreilles parce que c'est là que je transpire le plus. Du coup, sur le restant du visage, hop, et bien j'ai mis une autre base, c'est The Professional Matte Rescue. The Professional Matte Rescue qui est donc une petite base matifiante. Alors Miss Petit Chat, pour la petite anecdote, à côté du camping du perroquet, effectivement il y a une boutique Léonidas, mais il y a tellement d'autres boutiques de chocolat qu'on n'a pas été chez Léonidas parce que les Léonidas on en trouve chez nous. Hein. D'ailleurs si tu regardes ma dernière vidéo découverte, favori et déception, eh bien tu auras le nom des magasins en fait où ils vendent du chocolat et également des parfums qui sont des parfums génériques. Donc les parfums génériques c'est tout simplement des parfums qui sont comme les médicaments génériques, hein, j'ai pas besoin d'expliquer plus en détail ce que c'est. Qui sont vachement pas chers et vachement bien. Donc ensuite, après avoir mis mes deux bases pour le teint, j'ai mis du fond de teint. Et donc j'ai retrouvé un fond de teint. Et je pense qu'il m'a été offert par une abonnée, celui-ci. C'est l'infaillible Total Cover de chez L'Oréal Paris, 24 beige doré. Alors je savais que moi je l'avais en plus clair et je l'avais acheté. Mais effectivement, une abonnée a dû me donner le 24 beige doré parce qu'il est trop foncé. Il était trop foncé pour elle. Et moi, c'est pile poil ma couleur du moment. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint là, hein, le L'Oréal Infaillible Total Cover. C'est un fond de teint qui est très très couvrant et assez mat. Parce que parfois les fonds de teint très couvrants sont assez gras. Celui-ci pas du tout. Également du coup j'ai mis de l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne c'est l'instant anti-âge effaceur correcteur baie de goji Alloxyl couleur 02 beige nu. C'est le même que j'utilise dans toutes mes vidéos récentes, hein, puisqu'il me convient bien au niveau de la couleur. Ensuite, j'ai poudré tout ça. En ce moment, j'oublie de présenter mes poudres. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes dernières vidéos YouTube, mais à chaque fois, j'oublie de parler de poudre. Donc, c'est la Bourjois Paris, qui est couleur 01 pêche. J'ai pris une poudre assez... clair, on va dire, parce que sinon je me retrouve rapidement avec le teint orangé. C'est-à-dire que même si je prends une poudre qui est de la même couleur que mon visage, eh bien je trouve que ça fait orangé, en tout cas à la caméra et même quand je filme sur YouTube. D'ailleurs aujourd'hui j'ai le teint légèrement orangé également, je trouve, alors que cette poudre-là elle est très claire, vous voyez. À la caméra même limite ça va faire blanc.
Je ne sais pas si vous voyez sa couleur, mais c'est très très clair à l'intérieur. Et pourtant, tout ce que je mets finit orangé avec les caméras. Donc bon, bah écoutez, c'est pour ça que j'ai pris une poudre très claire. Ensuite, j'ai mis de la base. Ça m'a fait rire quand j'ai utilisé cette base. J'ai mis de la base sur les yeux. Alors, sur les yeux, j'ai utilisé la base yeux teintée de chez Sephora. Et c'est une base pour les yeux qui est pailletée. Et ça m'a fait penser à des paillettes dans la vie. Je pense que tout le monde a vu cette vidéo. Moi, elle m'a fait beaucoup rire, cette vidéo. Et voilà, j'ai mis des paillettes sur mes yeux parce que, à défaut d'avoir des paillettes dans la vie, on a des paillettes sur les yeux. C'est la 01 Shimmer Nude de chez Sephora, c'est une base pour les yeux qui est teintée. Ensuite, je me suis maquillé les yeux, bien sûr, avec une palette. Une palette, c'est la Beautiful Eyes, voilà, qui se vend chez Action. Très bonne palette, très très bonne palette. C'est des couleurs neutres à l'intérieur, hein. Donc voilà à quoi elle ressemble et j'aime beaucoup, j'aime énormément cette palette. On continue et mes écouteurs se cassent la figure. Alors oui, même au niveau des écouteurs ça va pas, hein. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pas pris mon casque, parce que j'ai un bon casque, hein, bien sûr pour mes montages vidéo et tout ça, mais le problème du casque c'est que je peux pas me maquiller avec, donc je préfère m'habituer aux écouteurs que d'avoir un gros casque qui cache la moitié du visage et qui ne pourrait pas... Enfin, qui ne serait pas efficace pendant eh bien, mes tutoriels maquillage, puisque oui, il y aura donc, je le répète, des tutoriels maquillage en direct sur Twitch. Donc. Ensuite, il n'y a plus grand-chose là-dedans, donc je vais tout sortir. Alors, j'ai mis donc le mascara Secretal de Belle. C'est un mascara qui allonge et qui recourbe. C'est pour les cils qui sont tout petits. J'aime beaucoup ce mascara d'ailleurs. Également, donc, j'ai mis dans mes sourcils un fard à paupières, le Matte Eyeshadow de chez Secretal également. C'est des produits, hein, les produits Secretal m'ont été offerts par une marque qui s'appelle Cosméopolis, donc je vous le signale quand même, hein, au cas où vous ne serez pas au courant. C'est vrai qu'il faudrait que je mette une annonce en dessous de ce live, parce qu'effectivement, certains produits de cosmétiques m'ont été offerts par les marques respectives, certains m'ont été offerts par mes abonnés, et bien d'autres ont été achetés par mes soins. Et ça, c'est un produit voilà, qui m'a été offert par Cosméopolis. Mais alors, la couleur est juste idéale pour mes sourcils en ce moment. Ensuite, également, donc, j'ai mis un petit blush de chez L'Oréal, le Blush Sculpt. Donc, le Blush Sculpt Trio Contouring Blush en couleur 101 Soft Sand Ambre. Voilà. Et pour finir, eh bien, le rouge à lèvres. Qu'est-ce que j'ai mis comme rouge à lèvres? C'était la question du départ. C'est le 229 Cliché Mania de chez L'Oréal. C'est un color rich matte. 229 Cliché Mania. C'est un rouge orangé qui est très joli. Il ne donne pas les dents jaunes. Et il est mat et longue tenue, donc il est génial. J'adore. Et alors, très très facile à appliquer. Et c'est tout. Tout ce que je porte sur le visage aujourd'hui. Ah, ça peut être une idée, Miss Petit Chat, mais moi j'avais d'autres idées. Hein. Pour les tutos en live, c'est tout simplement vous qui choisissez quel maquillage j'utilise. Et ça peut être sympa. Parce qu'on me dit souvent, ouais, les couleurs, tu sais pas les utiliser, tu sais pas les associer ensemble, etc. etc. Et bien là, si c'est vous qui choisissez les couleurs, on pourra pas me dire que je ne sais pas me maquiller. Ça sera de votre faute, entre guillemets. Et ça sera amusant. Même si c'est pas très utile, ça sera amusant. Le rouge à lèvres est très beau, j'ai fait exprès de mettre un rouge à lèvres pétant pour annoncer la couleur de mes lives. Voilà. Ça sera la même chose que sur YouTube, ici ça sera kitsch. Et si ça vous plaît pas, bah allez voir ailleurs, il y a plein de streamers. Hein. Moi ce que j'aime bien avec les couleurs riches, c'est également qu'ils sont faciles d'application. Ce qui n'est pas le cas de tous les rouges à lèvres. Alors je vais remonter un petit peu le chat du coup, parce qu'il y a dû avoir des tonnes de messages pendant que je présentais ce maquillage. Alors toutes les questions relatives au maquillage, je vous propose de les poster eh bien, dans ma FAQ. Je vais vous partager un lien vers cette FAQ, hein, un lien Instagram.
Reggio, il faut poster toutes ces questions dans ma FAQ. Je vais vous faire un lien direct vers le post Instagram. Alors, il faut savoir que maintenant, Instagram fonctionne même si vous n'avez pas de téléphone portable. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, ça fonctionne sur ordinateur. Vous pouvez laisser des commentaires et regarder les photos sur un ordinateur, même si vous n'avez pas, en fait, Instagram dans votre téléphone ou votre tablette. Et ça, c'est cool. Alors, du coup, on va partager ça. On va copier le lien. Et donc, est-ce que c'est quand même... On va vérifier... voilà. Ah, voilà. Hop. Vous êtes où, vous, de votre côté? Je vous ai perdu, dis donc. Non, Portos, vous le verrez pas dans mes lives. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Ouh, on va enlever tous ces trucs-là. Non, c'est pas prévu d'exploiter les animaux dans mes lives. Il y a beaucoup d'influenceurs qui prennent leurs animaux de compagnie en photo, etc. Parce qu'elles savent très bien, et ils savent très bien, que ça ramène des vues. Moi, j'exploite pas les animaux, hein. Rekogam, et toi, est-ce que... Ah non, c'est Paul. Ah, c'est Paul, Paul 17. Ah, Paul 17. Ah oui, non, mais Paul 17, il a dit qu'il partait, il est même pas parti. Merci, Cathy. N'hésite pas, n'aie pas peur de bannir les gens. Je fais un monologue en répondant à des questions qui ont été postées par des gens. C'est étrange, ça. Bah, vous voyez, il y a même Stream Element qui vire des gens. Il y a encore des gens qui vont se plaindre sur les réseaux sociaux. J'ai été banni. Vous voyez, moi, je touche à rien. Parce que sur YouTube, les gens, ils comprennent pas. Des fois, leurs commentaires, ils disparaissent et ils s'imaginent que c'est moi qui supprime leurs commentaires. Vous voyez, mes mains, elles sont là et c'est automatique. Et sur YouTube, c'est pareil. J'ai installé des systèmes de modération automatique, notamment le très bon logiciel Bodyguard. Bah, vous voyez, un lien qui est publié comme ça. Voilà, si votre commentaire a disparu alors qu'il n'était pas haineux, bon, bah, c'est le logiciel qui s'est planté, repostez-en un autre. Si par contre, vous m'avez fait un commentaire de 3 km, 3 km de critique, et que votre message a été supprimé alors que vous avez passé 3 heures à l'écrire, bah, c'est normal. Voilà, c'est le logiciel et a dit non, mais faut pas se moquer du monde, quoi. Ah, ma prochaine vidéo, ça je vais vous le dire aussi, parce que quand la FAQ sera publiée, bah, finalement la vidéo sera déjà publiée. Alors, je vais vous donner le programme de vidéo sur YouTube. Donc, normalement, ce matin, il y a eu une vidéo, c'était mes produits terminés, il me semble. Et dans cette vidéo-là, déjà, je vous annonçais que j'étais en live. Ensuite, donc, dimanche, il y a une vidéo qui n'est pas encore copiée, mais avec la fibre optique, ça devrait être bon, qui vous explique ma routine de soins. C'est pas vraiment une routine de soins d'été, c'est pas vraiment une routine de soins d'automne, c'est une routine de soins spéciale été qui se prolonge. Parce que, en fait, j'ai changé mes habitudes car j'ai envie de garder mon bronzage quand même. Le bronzage, on le sait, ça part vite. Et du coup, eh bien, j'ai décidé tout simplement de faire une routine minimaliste où il y a moins de produits abrasifs pour garder mon bronzage le plus longtemps possible. Ensuite, normalement, il va y avoir une vidéo dans laquelle je teste un repigmentant pour les cheveux. Parce que vous le savez, hein, j'ai fait un semi-permanent orange et là, c'est en train de virer au jaune. Donc, j'ai envie de remettre un petit peu... un petit peu d'oranger dans mes cheveux. Et donc, je vais utiliser un repigmentant pour ça. Et ensuite, il y a une vidéo qui va être réalisée dans laquelle je vais tester du maquillage qui m'a été offert par mon amie esthéticienne, puisque mon amie esthéticienne, eh bien, a déménagé, et donc avant de déménager, pour que le déménagement soit plus léger, elle m'a donné quelques trucs. Donc je testerai ces produits-là en vidéo. Et alors, pour finir, normalement, il y a une vidéo unboxing la semaine prochaine dans laquelle j'ouvre donc un colis qui m'a été envoyé par Sanoflore et un colis qui m'a été envoyé par Idealderm, plus un truc qui m'a été envoyé par une abonnée, je sais pas qui, mais j'ai reçu un colis Amazon et c'est pas moi qui ai commandé. Donc on ouvrira ça également en vidéo. Voilà, le problème, c'est que pour cette vidéo unboxing, eh bien, en fait, le problème, oui, pour cette vidéo unboxing, c'est que j'ai pas reçu le colis Idealderm.
Et ça fait 10 jours qu'il a été envoyé, donc voilà, j'espère juste qu'il n'est pas perdu ou qu'il n'est pas en train d'attendre à la poste pendant que moi je suis en train d'attendre chez moi de le recevoir. Ah, Z Menchi, très bonne question. Parce qu'effectivement, j'ai oublié d'en parler dans mes découvertes favoris et déceptions. La balance connectée de chaque Sion, c'est vraiment génial. Vraiment génial. Elle calcule combien d'eau on a dans le corps, combien de masse musculaire, combien de masse grasse. Elle enregistre en fait dans le téléphone toutes les courbes de poids et ça motive vraiment pour prendre soin de soi parce qu'on sait où on en est en fait. Si on est déshydraté, elle le voit à la balance. Si on a pris du poids, elle le voit à la balance. Donc franchement, pour le prix, parce qu'elle coûte que 20 euros, c'est génial cette balance. Sans boire ni de blanc. Alors boire, je sais ce que ça veut dire, Peggy, mais ni de blanc. Ah, sans arrêter de parler. Ah non, mais ça, j'ai l'habitude. Quand j'étais modérateur sur un site de chat il y a très très longtemps, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, quand j'étais jeune, c'est-à-dire quand j'étais même adolescent, hein, quand j'avais 14-15 ans, on était modérateur, mais on était également animateur. Parce que si on attendait que les autres s'expriment, eh bien on pouvait attendre longtemps. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de facilité à parler hein, pendant de longs moments. C'est d'ailleurs pour ça que mes vidéos sur YouTube sont longues. Par contre, effectivement, tu me fais bien de le faire remarquer, il faudrait que je m'hydrate. J'ai d'ailleurs prévu quelque chose pour m'hydrater avec des petites licornes. C'est trop chou. C'est Monsieur Beauté en Herbe qui m'a ramené ça un jour. Je sais même pas où il l'a eu. C'est avec des paillettes. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ce petit truc-là, avec des licornes et des paillettes, c'est que ça passe au lave-vaisselle. C'est une matière spéciale qui passe au lave-vaisselle et la peinture ne part pas. Mais alors, elle ne part vraiment pas. C'est vraiment très solide. Et j'ai pris ça pour pas bousiller mon ordinateur au cas où je le renverse. Donc voilà. Santé, mes gens. C'est un de mes défauts, ça. Je bois pas assez d'eau. Hein. Et du coup, j'ai des migraines. Parce que je suis un migraineux depuis mon plus jeune âge. Depuis mes 2-3 ans, je faisais déjà des migraines à cet âge-là. Et alors, à l'époque, les gens ne savaient même pas ce que c'était. Alors, Matou, effectivement, le son est décalé par rapport à l'image. Mais on a redémarré le live au moins 4 ou 5 fois. Donc, au bout d'un moment, Matou, on s'est dit que c'était bon. Parce que le son, il était correct. Et que l'image, après tout, on s'en fout un petit peu. Donc, je ferai des tests. Mais j'aimerais bien que Twitch me réponde. Hein, que le support Twitch me réponde pour savoir comment faire des tests sans qu'il y ait de notification d'envoyer parce que ce ne sera pas des vrais lives. Pour Noël, il y aura beaucoup de vidéos. Pour Halloween, je sais pas. J'avais fait 2 vidéos d'Halloween et je crois que je les ai supprimées sans le faire exprès. Je voulais les déplacer dans une playlist et ce jour-là, j'étais fatigué et j'ai cliqué sur supprimer. J'ai tout de suite essayé de couper Internet et tout et ça les a quand même supprimés. J'ai contacté le support YouTube et on en revient toujours à cette plateforme YouTube qui est en perdition. On a beau demander de l'aide au support. Les vidéos, elles ont été supprimées, elles ont été supprimées, elles en ont strictement rien à faire. Donc, du coup, il y avait une autre question intéressante. Je vais remonter sur le chat. As-tu mangé tous tes chouchous? Alors oui, les chouchous, ils n'ont pas fait une journée. Hein. On se les a partagés. Hein. Alors, Bloody Heavy. Bloody Heavy, il faut savoir que j'ai prévu de faire des recettes, notamment avec ma maman. Donc, ma maman ne va pas apparaître à la caméra parce qu'elle ne le souhaite pas. Mais on a des recettes de famille quand même qui sont bonnes. Et elle sait mieux les faire que moi. Même si moi je sais les faire, elle a un don pour certaines choses. Même si elle n'arrête pas de dire qu'elle ne sait pas cuisiner, en fait, elle a un don. Et du coup, peut-être qu'on fera des vidéos de recettes de cuisine, mais plutôt cet hiver, parce que là, clairement, il fait trop chaud pour cuisiner, quoi. Faire des plats en sauce alors qu'il fait 40 degrés, c'est pas... Ça sera pas agréable à filmer et ça sera pas agréable à faire non plus. Puis c'est pas des plats qu'on mange en ce moment. Donc, en ce moment, je mange des choses, eh bien, assez simples, parce qu'il fait chaud. Et effectivement, eh bien, cet hiver, il y aura des vidéos recettes de cuisine. Comment vont les cornichons? Les cornichons vont bien, par contre il faut attendre 2 mois avant de les manger.
qu'ils aient bien pris le vinaigre et du coup je peux pas les manger, alors ça me frustre. Ben, je fais de la cuisine depuis très très longtemps, je pense que j'ai commencé, j'avais 4 ans, hein. J'ai commencé à faire des gâteaux avec ma grand-mère, j'avais l'âge de 4 ans, donc moi j'aime aussi énormément faire des recettes de cuisine. Le problème c'est que dans ma cuisine c'est trop petit et je peux pas filmer comme je le souhaiterais. En fait, moi j'aimerais bien qu'on me voit vraiment debout, il faudrait 2 caméras, mais me voir debout en train de cuisiner et une deuxième caméra qui filme effectivement les étapes de plus près, mais ça devient très compliqué ce genre de mise en place quand on est tout seul et en plus dans ma cuisine, j'ai pas assez de recul, c'est-à-dire que même si je mets la caméra à l'autre bout de la pièce et que moi je me mets vraiment de l'autre côté, eh bien la caméra, elle me filme, mais on voit pas mon corps en entier. Alors les vlogs, c'est pas prévu. Je me suis déjà exprimé au niveau des vlogs. C'est une question qui revient très souvent même dans mes foires aux questions et je pense pas que je vais en reparler dans ma prochaine foire aux questions. Mais au niveau des vlogs, quand on filme un vlog, il est très difficile de ne pas filmer des personnes. Des personnes qui se baladent dans la rue, des plaques d'immatriculation, toutes ces choses-là. Et il faut le savoir, c'est interdit, c'est illégal. On ne peut pas publier sur YouTube des vidéos de personnes sans leur consentement. Alors beaucoup de personnes le font, hein. Il y a beaucoup de personnes qui... voilà, qui... Ça les dérange pas de filmer des gens dans la rue comme ça et de les mettre sur YouTube. Moi, ça me dérange. Donc c'est très difficile pour moi de faire des vlogs. Parfois, je suis obligé de flouter des plaques d'immatriculation, de flouter des personnes qui passent en même temps que moi. Et du coup, ben, le vlog, c'est pas vraiment quelque chose qui m'éclate, quoi. Parce que si c'est pour filmer une vidéo et flouter la moitié, c'est pas... Alors, goûte à nous, je ne suis pas un expert en pose de vernis, donc tu n'auras pas de vidéo sur la pose de vernis, hein, parce que... C'est pas mon truc. Hein. D'ailleurs, mes ongles sont juste affreux. Faudrait que je les fasse. Mais effectivement. Ah, mais je vais commencer à virer les gens définitivement. Hein. Si on les vire, qu'ils se sont pas calmés. Je sais pas. Si je fais un petit arrobas Paul, est-ce qu'il est encore là, Paul? Bah si, Paul 17, il est encore là. Il a dit qu'il partait de lui-même en plus. Bah peut-être qu'il est calmé et que maintenant il est là, mais qu'il écoute, hein, et puis qu'il ne dira plus de bêtises. Bon, en tout cas, moi je vous remercie, on est plus de 111, hein. Enfin, on est plus de 111, non, on est 111, on est plus de 100. On est plus de 100 spectateurs, et je m'attendais pas à ça. Alors effectivement, la vidéo lag, mais le son normalement est bon. Et d'ailleurs, je ne peux pas faire mieux parce que j'ai mis la qualité minimale dans OBS. Le seul truc que je pourrais peut-être changer, c'est le bitrate. Et je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. De toute façon, comme je suis ni affilié ni partenaire, vous de votre côté, vous ne pouvez pas sélectionner la qualité du stream, la qualité du live. Donc vaut mieux commencer assez bas parce que tout le monde n'a pas la fibre et du coup, eh bien, sinon tout le monde ne pourra pas profiter de ce live et ça serait dommage quand même. Donc 360, je pense que ce sera bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la taille de mes layouts, c'est-à-dire la taille des décorations pour que ça prenne moins de mémoire dans l'ordinateur et on verra si ça passe la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir avec Monsieur Beauté en herbe? J'en ai pas la moindre idée. Souvent le soir on mange des légumes, on arrête de manger des féculents le soir parce qu'on essaye de maigrir, mais bon ça n'a pas l'air efficace du tout. Mais effectivement, je sais pas ce que je vais manger ce soir, on verra quand il sera là. Il revient vers 20h, donc je pense que le live s'arrêtera vers 20h. C'est une supposition. Après, si on n'a plus rien à se raconter, on arrêtera avant, puisque normalement les premières diffusions finissaient à 19h. Mais il faut savoir une chose, c'est que j'ai déjà fait ma séance de sport ce matin. Voilà. Donc j'ai pas besoin d'aller au sport ce soir. Donc du coup, peut-être qu'on pourra faire un live jusqu'à 20h, qui dure un peu plus longtemps.
Si vous avez des idées de repas pour ce soir, eh bien, dites-moi. Nayagou, c'est la deuxième personne qui m'a... Ou alors c'est peut-être toi qui m'as laissé un commentaire sur YouTube. C'est la deuxième fois qu'on me parle aujourd'hui de la gamme à la baffe d'escargot de chez Action. Mais moi, j'ai un peu du mal avec la baffe d'escargot. Ça doit être psychologique, mais se mettre ça sur le visage, c'est spécial quand même. Je l'ai congelé, Alchou. Le bouillon de poulet, je l'ai congelé. En fait, je l'ai pas encore utilisé. Il fait trop chaud pour manger du bouillon de poulet en ce moment. Donc, on verra. Mais déjà, le bouillon de poulet seul avec des vermicelles, c'est bon. Hein. Ah, les olives noires, Maxas! Les olives noires, je suis à recherche d'olives noires, pas moyen d'en trouver. Alors à chaque fois je trouve des olives fermentées, c'est-à-dire que ce sont des olives vertes qui ont été trafiquées chimiquement pour devenir noires. Mais des vraies olives noires, soit ça coûte un prix exorbitant, soit, eh bien, j'en trouve pas en fait. Donc, bah écoutez, hein. Faudrait que j'aille dans des magasins un peu plus spécialisés, peut-être dans les magasins bio, mais je suis même pas sûr que dans les magasins bio, on n'ait pas des olives noires qui soient en fait des olives vertes fermentées. Bon, on va faire un petit point sur les followers. Vous n'avez toujours pas trouvé un mot, mis à part... Eh bien, partageur, mais vous n'avez pas trouvé un mot qui conviendrait pour traduire followers, hein ? On est embêté. Bon, alors petit point sur les followers depuis la dernière fois. Vous êtes nombreux, vous êtes très très nombreux. Vous êtes tellement nombreux que j'ai pas la liste complète, dis donc. C'est dingue ça. Bon, en tout cas, merci donc à Kuronosu, merci à Sunny Rose, merci à Ocean Jack, merci à Magma Chamber Feels Badman, merci à Xlas Mastico 99, merci à Pinbull, merci à Siriani 51, merci à Evony et merci à Mister Siebert. Qui donc suit ma chaîne depuis quelques secondes. Hop, ah ben on peut descendre. Alors peut-être que on va remercier les autres, effectivement. Donc il y a aussi Stixis qui suit ma chaîne, Artas34 qui suit ma chaîne, Ryobium TV qui suit ma chaîne, Thomas2108 qui suit ma chaîne, ReformingATM qui suit ma chaîne, Lauriane92 qui suit ma chaîne, Miss Mando qui suit ma chaîne, Oakley Anne la banane. Ok, Anne la banane. Ah bah dis donc, ok, Anne la banane qui suit ma chaîne. Malotrou666 qui suit ma chaîne. Tim Vic qui suit ma chaîne. Laetia Van qui suit ma chaîne. Et Anouk28 qui suit ma chaîne. Plus d'autres personnes qui ont activé le petit bouton magique, puisqu'on a Paralouf qui suit ma chaîne également. Et Nini10391 qui suit ma chaîne. Merci, c'est génial. Du coup, on va regarder combien on est, hein, bien sûr, parce que... Faut savoir quand même où on en est dans toute cette histoire. Est-ce que ça m'a mis à jour? Je suis toujours à 375. Je vais faire un petit F5 sur cette page. Il y a peut-être un délai aussi, hein, pour savoir le nombre de followers. Ah oui, cette histoire aussi d'ordinateur qui rame là. Faut le savoir que mon ordinateur n'a pas de ventilation, du coup c'est un ordinateur qui surchauffe. Alors si ça coupe, sachez que c'est l'ordinateur qui surchauffe. 408 followers, merci tout le monde. Oh, on est nombreux, dis donc ici. Bien, du coup, je vais remettre le chat. Il est où? Le chat, il est là. Et donc, j'avais envie de regarder la température
de mon ordinateur, juste comme ça pour rigoler. Comme ça, vous me direz effectivement. Ah bah Laura, ceux qui sont abonnés, alors déjà ils sont pas abonnés, hein, ils sont followers. Ici il y a l'abonnement payant et le follower, mais pour l'instant comme je suis nouveau sur Twitch, on peut pas encore activer les abonnements payants. Mais ceux qui ont donc suivi ma chaîne depuis plus de 2 mois, je les ai remerciés en début de stream, parce que vous êtes plus de 300 et je peux pas dire 300, voilà, je peux pas dire. Sinon on fait un stream spécial la semaine prochaine où je relis la liste comme ça, mais ça va être très chiant. Hein. Donc, je disais, je voulais voir la température de mon ordinateur. Juste pour rigoler comme ça, et vous me direz si effectivement ça surchauffe ou pas. Ah ! Donc, j'ai donc le processeur qui a 83 degrés. 1. La carte graphique qui a 83 degrés et un petit détecteur ACPI à 82 degrés. Voilà. Hein? Donc je pense que c'est encore en train de surchauffer cette histoire. Tout va bien. Ah bah bien sûr Bloody Heavy, je tombe sur des abonnés, ça a surpris beaucoup de proches, notamment ma maman au début qui comprenait pas. En vacances, j'ai croisé des abonnés, et puis alors dès que je vais dans un événement, que ce soit 14 juillet, que ce soit, voilà, dès que dans ma ville il y a un truc, je croise des abonnés, hein. Ça c'est, on peut pas faire hein, autrement, hein. Ah oui, je pourrais programmer le bot, mais enfin, il y a des applications aussi dans téléphone portable pour rappeler, voilà, pour dire attention, il faut boire, mais bon. Hein. Si on en arrive là, après, on n'a plus de vie. Hein. Ah bah Paul 17 il s'est fait bannir par Bodyguard, voyez. Alors après on va encore dire que c'est moi qui bannis les gens, hein, qui supprime les messages. J'étais en train de boire. Hein. Ça me fait rire parce que vous savez sur YouTube, si j'ai pas eu 1000 fois ce message, je l'ai jamais eu. C'est ouais tu supprimes les commentaires, ouais tu supportes pas la critique, c'est Bodyguard qui est une très bonne application qui supprime. Et moi, je bois pendant ce temps-là de l'eau. Hein. Je précise, c'est de l'eau à l'intérieur. Hein. Ou après, on va dire que beauté en herbe. Bah, oui, j'accepte de faire des selfies. Après, aussi, il y a des personnes quand même. Voilà, la personne qui te suit pendant une demi-heure et puis finalement qui t'ose pas te demander une photo ou machin truc et puis qui compte. Il y a des personnes quand même. Voilà, soit vous venez me voir, soit vous faites comme si de rien n'était, mais c'est un de suivre les gens comme ça pendant des heures et des heures, parce qu'après on peut devenir désagréable, forcément. Alors Anouk, je sais pas de quel t-shirt tu parles. Merci Cathy, je sais pas si tu m'entends d'ailleurs, est-ce que tes petits soucis de stream se sont résolus, mais merci pour cette suppression de messages complètement inutiles. Alors après, en plus, quand j'aurai fini mon live, c'est-à-dire dans à peu près 1h10, il va falloir choisir quelqu'un. On va raid quelqu'un. On va host quelqu'un. Et là, ça va être... Un grand moment, hein. Kuronosu. Il y a un petit lien Instagram avec une FAQ en cours. Tu poses ta question sur Instagram. Voilà. Parce que ce genre de questions, c'est mieux sur une foire aux questions et j'y répondrai dans une vidéo sur YouTube.
Ah oui, alors après, c'est ce que j'avais peur, Miss Petit Chat. Hein. Quand je suis en vacances, j'ai peur qu'après, les gens, ils viennent tous les jours, quoi. Et là, au bout d'un moment, tu aurais pu venir me voir quand j'étais ailleurs que sur mon emplacement, par exemple. Bah, le t-shirt que je porte en ce moment n'a rien d'extraordinaire. Hein. C'est le fameux t-shirt que j'avais acheté qui est 3 fois trop grand et que finalement je porte quand même. Je verrai quand je le laverai, je le ferai bouillir. Mais c'est un t-shirt blanc avec des petits points arc-en-ciel. Comme ça permet en fait de porter de l'arc-en-ciel sans eh bien, que ce soit trop voyant. Voilà pour la petite histoire. Oui, je suis toujours bien centré. Alors, il faudrait peut-être que je me décale un petit peu pour qu'on voit cette horloge. Mais de toute façon, j'ai l'impression que sur les lives, l'horloge, elle sera pas nécessaire. Hein, parce que ce truc-là, là, ben, ça prend de la place, vous voyez? Et du coup, on le voit pas forcément bien. Alors, peut-être que sur mes lives, je pourrais mettre un compteur d'ailleurs affiché, hein, puisque c'est en direct, donc on peut afficher directement sur l'écran. Mais là aussi, j'ai peur que ça rame dans mon ordinateur. Donc, je sais pas. Oui, c'est le t-shirt des soldes. Bah, Siriani51, on a déjà posé la question. Moi, je sais pas ce que je vais manger ce soir. On verra quand Monsieur Beauté en Herbe sera rentré. On va manger des légumes, comme je le disais, parce que le soir, on essaye d'éviter de manger des féculents et donc on mange plutôt des légumes. Mais, donc, voilà, on va voir, mais je ne sais pas ce qu'on va manger. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube, hein, si vous ne me connaissiez pas avant, c'est Beauté en Herbe. Vous voyez, youtube.com/beauté en herbe, j'ai un lien, un cours pour ma chaîne. Je ne sais pas si beaucoup de youtubeurs ont eu ça, et je ne sais pas si on peut encore en faire des liens courts, mais moi, à un moment, hein, parce que je suis sur YouTube depuis, ouf, au moins tout ça, à un moment, YouTube proposait ce genre de lien court, et donc moi j'en ai fait un, hein, dès que c'était disponible. Donc du coup, j'ai la chance d'avoir un lien, vous voyez, très simple pour ma chaîne YouTube, qui est donc youtube.com/beauté en herbe. Bien Peggy, tu peux revenir, bien sûr, la semaine prochaine à 17h. Et n'oublie pas donc dimanche ma vidéo à partir de minuit 0h. Voilà, une vidéo sur ma routine de soins pour essayer de préserver le bronzage que j'ai eu pendant mes vacances. Alors d'ailleurs, ça me fait penser qu'effectivement, je vous ai pas dit, donc je suis sur YouTube depuis de nombreuses années, et donc je poste une vidéo tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches. Si vous recevez pas de notification, sachez que la vidéo est quand même là. Voilà. Donc voilà, tous les vendredis, tous les dimanches, tous les mercredis, il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Followers accompagnateurs, mais enfin bon. C'est pas encore un super mot, hein. Ça va être finalement pour cette dernière heure de stream, ça va être le défi du soir, trouver un mot pour les un mot français pour followers. Bah t'as bien fait Miss Petit Chat parce que je pense que là je l'aurais mal pris si tu venais sur mon emplacement. Par contre, si j'étais, je sais pas, moi, dans une allée du camping ou au sanitaire, tu sais comment ça se passe au camping, bah là, d'ailleurs, il y a une abonnée qui est venue me voir une fois au sanitaire. Bon, bah écoutez, on a fait une photo. J'étais en train de me démaquiller. Et bah, du coup, j'étais pas maquillé sur la photo, mais c'est pas grave. Oui, accompagnateur, c'est long. Mais après, regarde, ce que l'on fait, c'est qu'on prend un mot comme accompagnateur. Petite astuce. Et on cherche des synonymes dans un dictionnaire de synonymes. Et parfois, on trouve des mots géniaux. C'est ce que j'utilise pour rédiger des articles sur mon blog. Quand, par exemple, je parle d'un fond de teint et que j'utilise trop de fois le mot fond de teint, je vais dans un dictionnaire des synonymes. Et des fois, je trouve des beaux mots. Alors, je vous invite à faire pareil à votre, voilà, sur votre ordinateur, téléphone, tablette, comme vous le souhaitez. Essayez de trouver des synonymes de mots et eh bien, essayez de trouver une traduction en français jolie pour le mot follower.
parce que follower, vraiment. Alors là, clairement, hein, synonyme d'accompagnateur, on n'a pas. On n'a pas vraiment de mots intéressants. Hein. Des chaperons. Merci pour les chaperons. Oui, parce que pour la petite histoire, alors je reviens sur quelque chose là. Follower égale beauté en herbe. C'est vrai qu'on pourrait dire que mes followers, ce sont des beautés en herbe. Mais en fait, j'ai déjà configuré les alertes. Et les beautés en herbe, ce sont les subs. Ah, bah oui, faut être sub pour être beauté en herbe ici. Donc, je cherche un autre mot pour follower. Donc, bah écoutez, on cherchera cette semaine et puis on se tiendra au courant la semaine prochaine. Mon avis, il y a pas mal de personnes qui regardent là dans leur coin, mais qui ne parlent pas sur le chat, peut-être parce qu'elles sont en même temps en train de travailler. Alors oui, Team 6, pardon. Oui, alors follower, traduit dans un dictionnaire, c'est des suiveurs. Mais alors suiveur, ça fait très stalker, ça fait très malsain, donc on cherche un autre mot. Par contre, on peut rechercher un synonyme de suiveur, ça effectivement. Alors, si on met suiveur, est-ce que déjà le dictionnaire des synonymes va... ce mot suiveur, parce que je trouve pas que c'est très français, moi. Ça existe. Alors, il y a des disciples. Oh, ben mon Dieu, si on commence à appeler ça des disciples, on s'en sort plus. Des poursuiveurs. Des moutons. Ça, c'est pas bien, ça. Les moutons, c'est pas bien comme appellation. Des épigones. Épigones. Des héritiers. Bon. Des inconditionnels, ça c'est pas mal, mais c'est un peu long comme mot. Mais c'est vrai qu'on peut être inconditionnel sans être sub ici, c'est-à-dire qu'on peut regarder tous les lives sans finalement prendre d'abonnement payant. Et inconditionnel, c'est pas mal. Est-ce qu'il y aurait des synonymes d'inconditionnel? On va regarder ça après. Je remets juste le chat un petit peu pour voir si vous êtes sage. Bon, on va faire un petit point inconditionnel. Puisqu'effectivement, eh bien, il y a eu des personnes qui ont suivi ma chaîne. Il y a Julia372 qui a suivi ma chaîne. CoachD qui suit ma chaîne. MSniper333 qui suit ma chaîne. MargotMTH qui suit ma chaîne. Un pseudo que je ne citerai pas, voilà, et E4306 qui suit ma chaîne, merci à tous ces nouveaux followers. Et donc du coup je vais aller voir sur Twitter parce qu'on m'avait envoyé un lien normalement pour un coussin Twitch, pour que je puisse mettre un coussin YouTube et un coussin Twitch dans mes vidéos YouTube et sur Twitch. Et du coup, eh bien, on va aller voir si j'ai reçu quelque chose sur Twitter. Ça a l'air d'un peu moins ramé qu'au début. Bon, j'ai pas de notification sur Twitter, hein. On m'a rien envoyé, hein. Pourquoi tant de haine? Les beautés en salade. Bah oui, adepte, ça fait secte, mais il y a plein de mots qui font secte. Alors, moi je voulais un synonyme d'inconditionnel, parce que ça, inconditionnel, ça sonne bien, mais c'est un peu long. Des bénis, oui. Ah bah tiens.
À chaque fois, on a les mêmes mots qui tournent en boucle dans les dictionnaires de synonymes. Là, on a suiveur, adepte. Après, il y a des mots des fois un peu compliqués comme draconien. Également, avant, on avait un mot qui était épigone. Alors, je vais regarder la définition d'épigone, parce que ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un mot qui est beau. Non, c'est un successeur, un imitateur. Un imitateur, c'est pas quelqu'un qui suit quelqu'un. Qui... Parce que là, en plus, on va regarder un synonyme d'abonné, parce que finalement, c'est un peu comme un abonnement gratuit, hein. Alors, comment ça fonctionne, NonoJaune, sur Twitch? Donc en fait, c'est gratuit pour tout le monde. Hein. Parfois il y a de la publicité. Bon. Vous pouvez me suivre. Donc devenir un suiveur. Même si ce mot est très moche, un follower. Si vous me suivez, vous aurez les notifications quand je serai en live. Donc dès que je lance un live, vous avez une notification. Par contre, également, vous pouvez être sub. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez prendre un abonnement payant et devenir un abonné, une beauté en herbe. Alors, pour l'instant, c'est pas encore activé parce qu'il faut, voilà, il faut de longues heures de stream avant de pouvoir activer cette option. Mais l'abonnement payant, il sert à quoi? Bah, il sert à tout simplement soutenir le créateur qui fait des lives. Et effectivement, si on a Amazon Prime, on peut sub gratuitement. On a le droit à un sub offert tous les mois. Et on peut également eh bien, avoir Amazon Prime et Twitch Prime, du coup. Bien sûr, Amazon Prime, oui. Twitch Prime. Alors, Twitch Prime, c'est super bien. Moi, je l'ai activé également avec mon compte Amazon Prime parce que vous avez des jeux gratuits tous les mois en plus. Donc, franchement, déjà, si vous comptez vous abonner à quelqu'un pendant un an, prenez plutôt Amazon Prime. Ça vous coûtera moins cher et en plus, vous aurez des avantages supplémentaires. Ah bah il faut faire voilà il faut faire le tour du site hein. Il faut pas rester que sur mon live NonoJaune parce que tu vas découvrir plein de trucs et puis moi encore je suis pas un expert hein, je débute. Bon alors du coup j'en étais où moi? Synonyme d'abonné, des clients. Ah bah si alors là le créateur de contenu qui appelle sa communauté des clients. Alors là, ça, c'est vraiment, ce serait génial, ça. Les coutumiers, les habitués ou les habituels. Ah, les habitués, c'est pas mal, ça. Parce que finalement, si vous êtes follower, c'est-à-dire que si vous activez les notifications quand je vais en live, eh bien, c'est que vous avez prévu quand même de revenir et vous voulez savoir quand il y aura le prochain live. Donc, des habitués, c'est pas mal ça pour followers. Hein. J'aime bien, on aurait peut-être trouvé le mot. Le mot habitué. Faisons un petit point du côté des habitués. Eh oui, on a Princesse Sarah 75 qui me suit. Et il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres depuis le dernier point. Voilà, le point habitué. Mais écoutez, je pense que le mot sera habitué. Voilà. Et donc là, en fait, discrètement, ce que je suis en train de faire, c'est ça ce qui est bien avec les lives, c'est que je suis en train de le marquer quelque part, ce mot, parce que la semaine prochaine, vous êtes sûr et certain que j'ai oublié. Donc je prends énormément de notes, moi, hein, et là, eh bien, je peux vous dire que, voilà, je note le mot pour pas que la semaine prochaine, je me dise, mais au fait, comment on avait dit qu'on appelait les gens qui follow mon compte Twitch? Les habitués. Et voilà. Et je ferme et ça va se synchroniser tout simplement. Bah, dans un bar par exemple, s'il y a des clients qui reviennent souvent, on dit que ce sont des habitués. Donc moi je trouve que le terme il est pas mal, habitué. Alors en fait Margot, ici tu as deux options. Tu peux sub à une chaîne, c'est-à-dire t'abonner à une chaîne mais être abonné payant. Donc les abonnés payants seront appelés les beautés en herbe. Par contre, tu peux aussi follow, c'est-à-dire que tu peux aussi suivre une chaîne pour juste avoir les notifications
gratuitement, quoi, pour savoir quand la personne est en direct. Ce terme de follower, on n'arrive pas à le traduire, parce que si on le traduit avec un dictionnaire, c'est des suiveurs. Or, des suiveurs, c'est très moche comme mot. Puis pour moi, ça me fait penser aux stalkers, c'est-à-dire aux personnes qui suivent la personne, mais qui suivent de façon malsaine. Donc on cherche un petit mot pour traduire follower. Alors on a trouvé habitué. Bah écoute, Régio, si tu l'as trouvé, c'est très bien. Je l'avais pas vu, hein, mais c'est un beau mot, en tout cas. Ah bah non, pas habitué en herbe. Pour être botté en herbe, il faudra sub ici. Ah, merci Fabien, je vais voir ça tout de suite. Donc on a le lien de Fabien pour le coussin. J'ai deux notifications, donc il est possible que j'ai reçu quelque chose. Ah, il est noir! Ah oui, mais alors ça va pas le faire, parce que là, il faudrait un coussin blanc. Parce que du noir en fond de vidéo, ça passe pas bien. Avant, je filmais des vidéos avec un fond noir. Je peux vous dire que depuis le temps que je le fais plus, ça va beaucoup mieux dans ma vie. J'ai plus besoin de passer des heures et des heures à régler la balance des blancs, à régler la luminosité. Ouais, non. C'est beaucoup mieux, en fait. Du blanc en fond, en fait. Ah, les brins d'herbe. Ça, c'est pas mal, hein. Ah, il va y avoir de la concurrence, hein, dans les idées. Ah! Tu as un drôle de pseudo, toi qui as eu cette idée, mais tu as des bonnes idées. Bon, je pense que je vais réduire la cadence, hein, des messages Stream Element, parce que là, ça fait beaucoup quand même. On est d'accord, hein. Surtout qu'en fait, j'ai juste à cliquer là et puis je peux régler en fait tous les combien il y a un message. Selon vous, tous les combien il faudrait une annonce de la part du bot. Moi, j'ai mis, je vais vérifier ça d'ailleurs. Il me semble que j'ai mis 10 minutes, mais ça me paraît très proche. En fait, j'en ai plusieurs, vous voyez. Alors là, il y a les commandes. Ce ne sont pas des commandes. C'est des minuteries qu'ils appellent ça. Très bonne traduction, hein, Stream Element. Minuteries. Des alertes. Des annonces. Mais alors, minuteries. 5 minutes. 5 minutes et il faut au moins 5 lignes entre deux messages. Bah ça, je suis pas sûr que c'est respecté. Ouais, voilà, c'est le problème, hein. J'y ai pensé, Lex Lannister. Brin d'herbe, si on enlève le d'herbe, ça fait mes petits brins. Et dans le nord, le brin, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pas encore terrible, hein. Je préfère le mot habitué, moi. Ça me fait penser au bar, j'aime bien. Ouais, brin d'herbe, c'est mignon. Brin tout court, c'est moins mignon. On me dit chez Nono Jones. Alors je sais pas si on dit Nono John ou Nono Jones. Nono Jonis. Non, peut-être pas quand même. 15 minutes c'est bien. Vous êtes plusieurs à me dire 15 minutes. Mais voyez, ça fait que 5 minutes de différence, hein. Des jolies graines. Des graines, alors, tout court. Mais je pense que c'est déjà pris, ça. Il y a déjà des streamers qui appellent leurs followers des graines. Non, moi, les habitués, j'aime bien. Oh, Baba au Rhum aime mon stream. Bah, moi, j'aime beaucoup le Baba au Rhum.
C'est un de mes gâteaux préférés. Bien sûr, avec modération, parce qu'il y a du rhum dedans. Alors, un petit point sur les habitués du stream. Vais-je les retrouver, les habitués du stream? Parce que du coup, là, j'étais dans les minuteries. Compliqué tout ça, hein. Je peux vous dire, j'en ai passé des soirées, hein, configurer tout ça. Et le pire, c'est que je vais devoir refaire tous mes layouts pour qu'ils soient plus petits. Ça veut dire quoi, brin dans le nord? Bah, tu regardes dans un dictionnaire, parce que brin, en fait, c'est un mot français, il me semble. Peut-être familier, mais français. Alors on a Strike Master 49 qui a suivi ma chaîne et Baba Orom également. Eh bien merci les gens. Alors du coup, en plus, si je veux faire des tests pour eh bien, savoir quelle résolution fonctionne le mieux avec mon chat, savoir si avec les nouveaux layouts ça marche ou ça marche pas, etc. etc. En fait, je ne vais même pas pouvoir les faire parce que y a toujours ce problème de notification que vous recevez, même si je les désactive. Donc là, ça va être un petit peu... Je sais pas comment je vais faire pour la semaine prochaine. Je vais changer des choses et on verra bien ce qui se passe la semaine prochaine, en fait. Alors, Ninana99, sache que c'est automatique. En fait, quand on finit un live, il est de coutume d'envoyer nos abonnés vers quelqu'un. Pour qu'ils puissent tout simplement eh bien, découvrir un autre streamer et continuer un petit peu sa soirée sans que ça coupe. Et donc oui, je sais déjà, je pense, je connais déjà la personne que je vais raid parce que c'est une personne que je vais moi-même regarder après. Enfin, je sais même pas si elle est en live, j'espère qu'elle est en live. C'est une personne que je vais moi-même regarder après. Donc, il est fort possible que je sache qui, vers qui je vais vous envoyer, mais ça sera fait automatiquement. Donc vous, vous avez rien à faire. Alors, il va falloir que je désactive aussi les mails, parce qu'à chaque fois que j'ai un follow, j'ai un mail, et ça fait beaucoup de mails, je tiens à vous le dire. Hein. Là, c'est ouf, beaucoup. Ces derniers jours, ça a été encore plus, tout simplement parce que... eh bien, j'avais annoncé, effectivement, que je faisais un live sur YouTube, donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont follow en très peu de temps, et ça fait beaucoup de mails, ça fait beaucoup de mails. Je vais supprimer automatiquement, je pense... faire un filtre dans ma boîte mail parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants. Eh bien, bon appétit, E4-1306. Je regarde mes mails pour savoir si, on sait jamais, on aura un truc intéressant. Et merci à Estelle Lewak qui aime mon stream. Ben, je pensais pas à Dame Dame, parce que Dame Dame, je pense pas que vous soyez une communauté gaming en fait. Donc, je pensais à quelqu'un d'autre, mais il est pas en live. C'est ballot, mais peut-être qu'il sera en live tout à l'heure. Ou peut-être qu'il aura juste tout simplement loupé eh bien, le host de sa vie. On verra qui sera en live à 20h, tout simplement. Ben merci, Popiette. Tu verras, il y a plein de trucs de bien sur Twitch. Moi, ça remplace ma télé. Hein. Je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas. Peut-être que vous me regardez et que finalement, eh bien, vous ne me connaissez pas de YouTube. Je n'ai pas de télévision. Hein. Moi, pour moi, Twitch et YouTube sont ma télévision. Plus même que peut-être les séries sur Netflix ou j'ai Amazon Prime Video. Moi, ça m'intéresse pas. Monsieur Botanherbe regarde pas mal de vidéos sur Amazon Prime Video.
Moi non, ma télévision c'est Twitch et c'est YouTube, tout simplement. LC Bou, je te propose de poser la question ici, sur Instagram, parce que j'ai une FAQ en cours et c'est le genre de question que j'aimerais bien répondre sur YouTube pour que les gens soient au courant en fait de cette histoire d'épilateur que j'avais présentée sur YouTube. Donc je vais juste copier le lien qui est ici quelque part. Voilà, Instagram, hop, hop et hop. Ah, les personnes que j'héberge. Oui, je les ai mis hein, dans ma liste. C'est vrai que ça va être l'heure de faire à manger. Hein. Nous, on est un peu en décalage. Monsieur Beauté en Herbe, en fait, est membre d'une association et il revient vers 20h30. Donc, c'est pour ça que je live jusqu'à 20h. Et c'est pour ça qu'on mange un peu plus tard que d'habitude. C'est incroyable quand même cette musique qui n'en finit pas. Cindy Rose qui me dit que je parle très peu et qu'il faut animer. Ben, y a aussi très peu de messages sur le chat. Alors là, au bout d'un moment, ça marche dans les deux sens. Hein. Moi, si vous ne me donnez pas de contenu, bien, je ne peux pas réagir. C'est comme ça. Aficionados. Ah, alors là, aficionados, effectivement, ça fait un peu latin comme mot. Ah, moi j'y avais pensé, hein, parce qu'en fait je me suis dit tiens, et si je faisais ma manucure en même temps hein, que je suis en live sur Twitch. Et en fait, eh ben, je me suis dit les gens vont peut-être prendre ça mal, parce que genre il fait ses ongles et on n'a rien à foutre de ce qui se passe. Donc je me suis dit pour un premier live, on va peut-être pas faire. On va peut-être pas faire sa manucure en direct. Mais j'avoue que ça m'aurait bien arrangé de faire ma petite manucure et eh bien de discuter avec vous en même temps. D'ailleurs, je sais pas quelle couleur je vais mettre. Si vous avez des idées de couleur de vernis, faites-moi signe, parce que je sais pas du tout ce que je vais mettre. Et nous avons Sabri Brisson qui aime mon stream. Alors TikTok, j'ai pas vraiment arrêté, mais j'avoue que j'ai pas trop le temps de faire des TikTok. Puis alors, il y a tellement des personnes qui font des plus beaux TikTok par rapport aux miens que j'y vais souvent sur TikTok pour regarder les TikTok des autres. Et pas pour en faire, parce que qu'est-ce que vous voulez que je filme sur TikTok? Et donc, on a OmegaMK18 également qui aime mon stream et... un petit pseudo que je ne citerai pas, désolé, qui aime mon stream. Merci en tout cas pour vos follow. Bah oui, après, je me suis dit en même temps. Ok, je me suis dit en même temps, les ongles, bah, sur une chaîne beauté, c'est normal qu'on fasse ses ongles, quoi.
Mais ce sera la semaine prochaine, peut-être. Du orange sur mes ongles, pourquoi pas. Du rouge, c'est trop classique. Moi, j'aime bien mettre du rouge en hiver. Du vert, alors. J'ai du vert pastel, comme ça. Mais le problème du vert pastel, c'est que je m'en lasse très rapidement. Et donc, j'ai envie de... En fait, j'ai envie de faire mes ongles et d'enlever le vernis 2 jours après parce que le vert, ça... Puis ça va pas avec toutes les tenues, le vert. Hein. Alors, est-ce que je vous avais mis le fameux lien pour poser les questions pour la FAQ? Ah, sur TikTok, il y a que des trolls. Non, non, je pense qu'il y a des jeunes. Et que les jeunes sont pires que ce que nous, on était. C'est-à-dire que je plains d'ailleurs ceux qui sont à l'école en ce moment, ou qui ont l'âge d'être à l'école. Parce que quand on voit comment ils réagissent, les jeunes de maintenant, c'est une catastrophe. Hein. Tous les réseaux sociaux qui sont beaucoup utilisés par des jeunes sont les réseaux sociaux où il y a le plus de haine. Et ça, c'est quand même grave. Vous voyez, par exemple, sur YouTube, il y en a beaucoup. TikTok, n'en parlons pas. En fait, plus les utilisateurs sont jeunes, plus il y a de la haine. C'est vraiment... ça fait peur. Merci, Laura, pour ta présence. Et puis, à bientôt. À bientôt. Finalement, c'est bien d'avoir désactivé les annonces parce que ça faisait ramer le stream, parce que ça, je m'en doutais qu'il y allait avoir plein de pseudos complètement cons. D'ailleurs, j'ai posé la question, est-ce qu'on pouvait être banni à cause d'une annonce et d'un pseudo? On m'a dit que non, donc visiblement. Mais bon, voilà, hein, les pseudos à la con, ça sert à rien, parce que de toute façon, il n'y a même pas d'alerte parce que ça marche pas. Donc, vous pouvez en faire tant que vous voulez, hein, des pseudos à la con, au bout d'un moment... Ça me fait des follow en plus, c'est tout. Le vernis thermique, non, si c'est le vernis qui change de couleur en fonction de la température, jamais testé. Ah non, mais les, alors, y a plein de personnes qui ont fait plein de choses avec mon image. Hein, c'est... Voilà, je peux pas tout voir non plus. Hein. Après, il faut voir dans quel but il a fait ça. Si c'est bien fait et que c'est sans moquerie, alors c'est bien. Malheureusement, c'est rarement le cas. Après, on dit oui, mais c'est des caricatures, il faut accepter la critique quand on est une personnalité publique. Oui, bon, enfin bon, il y a des limites quand même. Hein. Du marron, c'est bien le marron en automne. Mais c'est vrai que ça me fait envie du marron. Mais on n'est pas encore en automne, il fait encore beau. J'aimerais bien de la couleur, mais j'ai envie d'une couleur qui passe partout et c'est pas évident. Peut-être du orange ou alors. Ben, merci Estelle. Et oui, effectivement, il faut suivre hein, depuis 10 minutes pour pouvoir écrire sur le chat parce que sinon, on a trop de personnes qui envoient des messages un petit peu à la con. Et bah ici, par contre, il n'y aura pas de gaming. C'est ça que je voulais dire. Hein, puisque toi, tu aimes bien le gaming, mais ici, je pense pas qu'il y en aura. Déjà, l'ordinateur, il ne pourra pas supporter de faire du gaming. Mais en plus, c'est pas mon truc, moi. Alors, est-ce que je mets du vernis sur mes pieds? Pas du tout.
Ah, le bleu, c'est beau, hein. Un bleu marine. Ah, faudrait que je trouve un vernis bleu marine. Ça, c'est bien, ça passe partout, ça. Radio, je sais pas qui tu es, je sais pas d'où tu viens, mais t'as des bonnes idées, des fois. Alors d'ailleurs, je me pose une très grande question, c'est est-ce que effectivement, eh bien, on peut récupérer la VOD de ce live, et est-ce qu'éventuellement je les posterai sur YouTube? Mais alors ça, je suis pas sûr du tout. Bah oui, Nayagou, j'ai dit jusqu'à 20h. Il n'est pas encore 20h. D'ailleurs, vous voyez, quand je touche à mon ordinateur, la caméra, elle bouge. Il va falloir bloquer l'écran. Hein. Il y a encore du boulot pour avoir un stream potable, mais pour un premier, ça fonctionne, c'est le principal. Petite dédicace. Ceux qui savent comprendront. Oui, mon prochain changement capillaire, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. En fait, je vais faire du violet ou du bleu, mais ça sera pour le milieu du mois d'octobre. Ah oui, mais alors après, il faut un monteur hein, pour faire des parties de live. Parce que le problème, c'est que souvent, les personnes qui font ça, elles ont un monteur, elles donnent le live, le monteur travaille. Voilà, mais moi, je fais tout seul. Hein. Vous le remarquez d'ailleurs, c'est pas très élaboré comme live. Donc là, par contre, ça va être compliqué hein, de faire des parties de live. Bon, alors du coup, moi, j'étais en train de configurer les minuteries parce que je vois que ça défile encore. J'avais eu un vernis bleu qui m'avait été offert par une abonnée. C'était un bleu qui était fluorescent. Alors en fait, il était bleu marine, mais quand on allait à la lumière noire, eh bien, il devenait fluorescent. Il était très beau, faudrait que je le retrouve, je vais peut-être mettre ça. Donc du coup, intervalle en ligne, on va modifier ça. Et on va mettre 15 minutes. Alors, le problème, Miss Petit Chat, c'est que quand on n'est pas affilié, parce qu'il y a différents statuts, mais enfin bref, sur Twitch, les lives, ils sont pas sauvegardés longtemps. Donc, je sais même pas si celui-ci va être sauvegardé. Mais en tout cas, les vidéos en VOD, elles ne sont pas disponibles, comme sur YouTube, ad vitam aeternam. Et donc, le problème, c'est que ce live sera perdu si je le copie pas ailleurs. C'est pour ça que beaucoup de streamers copient leur live sur YouTube. C'est tout simplement pour ne pas les perdre. Parce que sinon, ils sont perdus. En même temps, le but d'un live, c'est que ce soit en direct. Alors, est-ce que ça vaut le coup de les mettre sur YouTube? Alors, les trucs réactions où tu mets « c'est mon choix » et tu réagis en te moquant des gens, c'est pas du tout mon truc. Déjà, je regarde pas la télé. Je regarde pas la télé ni les émissions de télé qui sont mises maintenant sur YouTube et tout parce qu'ils ont bien compris que la télé ça avait plus d'avenir donc maintenant ils copient leurs émissions sur YouTube. Non, déjà je regarde pas, c'est pas pour regarder en direct sur Twitch et commencer à critiquer et me moquer des gens. Ça c'est je supporte pas. Les YouTubeurs qui font ça ou les streamers qui font ça, je trouve ça assez étrange et en tout cas c'est pas du tout mon délire. Hein. Oui, oui, je voulais créer une chaîne spéciale VOD, mais est-ce qu'on peut récupérer la VOD? C'est ça la question.
Ah non, non, après le live, je sais même pas s'il va être sauvegardé. Et en plus, s'il est sauvegardé, à mon avis, il ne sera pas conservé longtemps sur leur serveur. Hein. Après, je peux les télécharger, les lives. Puis on verra dans quelques temps si ça vaut le coup de les mettre en ligne. Bah oui, Cathy, c'est dommage. Il faut une bonne connexion Internet pour Twitch. Oui, mais alors après, il y a ceux qui peuvent pas être présents pendant les lives, qui aimeraient bien voir ce qui s'est passé. Après, le problème aussi qui peut se passer, c'est que si on met des rediffusions des VOD de live, ça peut partir en polémique. Hein? Ils aiment bien ça, les gens. À partir du moment où on peut télécharger un bout de vidéo, ils téléchargent, ils font un montage étrange pour transformer les propos, et puis après, ça part dans tous les sens. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire des VOD? Je sais pas. J'ai déjà une chaîne YouTube. Ah oui, ça je sais. Je peux effectivement, avec OBS, enregistrer et streamer en même temps. Mais alors déjà, pour streamer, il a du mal. Alors enregistrer et streamer en même temps, c'est pas possible. Mon ordinateur n'est pas du tout assez puissant. Je comprends pas, c'est un ordinateur récent, mais je sais pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Franchement, quand je l'ai acheté assez rapidement parce que j'en avais besoin, parce que l'autre avait rendu l'âme, en fait. Et je crois que j'ai acheté un truc vite fait, mais j'aurais peut-être dû regarder un peu plus en détail, quoi. Hein. Ben dans une demi-heure, on va déjà se quitter. Hein. Ah, que le temps passe vite. Il est vrai que je parle peut-être pas en continu sur ce stream, mais le temps passe vite. Qu'est-ce que vous faites demain soir d'ailleurs là? Parce que moi, je vois dans mon agenda, j'ai une soirée de prévue demain soir. Demain, c'est samedi. Peut-être que vous avez prévu des trucs. Bah, Régio, c'est très bien, mais effectivement, normalement, tu devrais avoir une notification vendredi de la semaine prochaine à 17h. Normalement, hein, normalement, ça marche ici, les notifications. C'est pas comme sur YouTube. Bah, Sundi Rose, c'est peut-être que ça lag parce que c'est ta connexion qui est pas bonne, parce que les gens m'entendent bien. Après, l'image, elle est peut-être pas... Bon, au pire, vous abaissez la fenêtre et vous écoutez que le son, puisque finalement, c'est un petit peu comme un podcast. Mais le truc, c'est que normalement, le son, il devrait pas couper. L'ordinateur, c'est un HP. J'en ai parlé dans une vidéo récente. J'ai fait une vidéo avec mon setup, c'est-à-dire tout le matériel que j'utilisais, parce qu'on me pose souvent la question. Donc, je me suis dit, je vais en faire une vidéo comme ça. Si on me repose pour une millième fois la question, j'enverrai la vidéo et je dirai, regarde ça, t'as tout. Et c'est une catastrophe l'ordinateur HP. Hein. Ah! Ah non, par contre, j'ai prévu de refaire une vidéo avec des objets bizarres parce que j'en ai retrouvé chez moi. Effectivement, en stream, je pense pas, mais en vidéo YouTube, oui, je pense que je vais en refaire une et il faut juste que je fasse la liste des produits bizarres que j'ai chez moi et même autour de moi. Je vais pas vous les montrer parce que sinon vous allez avoir la réponse avant même d'avoir vu la vidéo sur YouTube et ça sera un peu de la triche. Mais effectivement, je pense refaire ce genre de vidéo sur YouTube. Alors du coup, ça sera plus en direct, mais il faudra juste numéroter dans les commentaires et puis finalement ça marche aussi. Les autres lives fonctionnent parfaitement. Oui, mais les autres streamers ont des meilleurs ordinateurs que moi. Non, pas de soirée au Divine Bar, il est fermé demain soir le Divine Bar à Valenciennes. Encore en vacances. Donc ils ont ouvert toute la semaine le restaurant, mais pour les soirées, c'est pas demain. Les soirées reprennent la semaine prochaine, il me semble, samedi soir. Mais donc du coup, demain, je serai dans un lieu public à Valenciennes qui propose une soirée. Mais je vais pas trop en dire parce que sinon tout le monde va débarquer pour faire des photos. Ça va être stressant. Ou alors configurer soi-même son PC,
Moi, les ordinateurs que j'ai vus qui étaient configurés comme ça manuellement, bien souvent, ils ont beaucoup plus de problèmes de compatibilité que les ordinateurs préconçus avec des composants testés et où c'est vraiment bien, comment dire, étudié. Parce qu'il y a tellement de choses à prendre en considération quand on monte soi-même son ordinateur que bien souvent, les personnes eh bien, en oublient la moitié. Par exemple, ils vont mettre beaucoup de RAM, hein, un ordinateur avec beaucoup de mémoire vive, mais ils oublient complètement la mémoire cache, par exemple. Oui, c'est quoi la mémoire cache? Et un ordinateur avec un très bon processeur, avec une mémoire vive très bonne, mais des mémoires cache pourries, l'ordinateur, il est pourri. Et c'est pour ça que bien souvent, on se fait avoir quand on achète un ordinateur. Parce que ils mettent mémoire vive à fond, disque dur à fond. Le processeur, maintenant, il y a tellement des dénominations compliquées qu'on ne sait plus trop en fait lequel est bien, lequel est pas bien. Et ben ça rame parce qu'il manque du cache. Et voilà. Donc voilà, quand on fait son ordinateur soi-même, il faut vraiment faire attention à tous les paramètres et c'est très compliqué et il faut surtout tester le matériel pour savoir si tout fonctionne bien ensemble. Est-ce que cette mémoire cache-là va bien avec ce processeur-là et va bien, parce que si on a un processeur qui est très rapide mais une mémoire cache qui est lente, et bien le processeur très rapide, par exemple, sert à rien. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est les ordinateurs personnalisables mais qui sont faits, par exemple, comme chez Dell, qui sont faits... à la demande, hein, mais voilà, vous n'avez pas non plus le choix de n'importe quel composant à l'intérieur. C'est-à-dire que Dell va vous dire, voilà, pour ce modèle-là, on vous propose ce processeur-là, celui-là ou celui-là. Parce qu'on sait que ceux-là vont bien fonctionner avec le restant du matériel. À vous de choisir lequel vous voulez. Un petit processeur, moyen, un processeur plus cher. Mais ils ne vont pas dire, vous pouvez mettre n'importe quel processeur avec cet ordinateur-là. Parce que voilà, c'est compliqué. Moi, j'ai fait de l'architecture à l'université. Hein. Alors, l'architecture, d'ailleurs, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas quel processeur. Hein. C'est comment programmer le processeur. Hein. Comment créer un processeur. C'est encore plus dans le détail. Et ben, quand on voit comment fonctionne l'architecture d'un processeur, après, on comprend beaucoup de choses et on comprend aussi pourquoi ça rame. Moi, j'avais un ordinateur Dell qui fonctionnait super bien, qui fonctionne encore super bien, mais c'est l'écran qui est cassé. C'était un portable, donc sinon, il faudrait que je le branche. Et franchement, pour l'époque, l'ordinateur, c'était une bombe atomique et j'avais fait attention à la vitesse de la mémoire cache, je me souviens. Oh, bah, les développeurs informatiques, j'en sais rien. Moi, je travaille plus dans le milieu. Hein. J'ai arrêté ce milieu-là, hein, le milieu de l'entreprise. À mon avis, il y en a des bons, il y en a des moins bons. C'est comme toujours. Hein. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de configurer mes minuteries, mais je pense que je vais le faire hors ligne parce que sinon je vois plus le chat et alors après ça fait des blancs et c'est pas très joli. Alors d'ailleurs, les petites commandes, je sais pas si vous connaissez. Les petites commandes disponibles vous permettent de faire plein de choses, notamment de voir depuis combien de temps et vous êtes eh bien sur ma chaîne, depuis combien de temps le live est en fonctionnement, etc. Et un petit classement d'ailleurs des personnes qui auront le plus regardé le chat, normalement, enfin le live. On va regarder tout ça, ça va être intéressant. Voilà, donc par exemple, on a Uptime qui permet de savoir depuis combien de temps je suis en live. Eh bien, vous avez un lien juste au-dessus. Bon, qui est déjà parti, hein. Je vais vous donner le lien moi-même. Vous le remarquerez plus. Vous avez tout ça de commandes qui sont configurées. Et ça permet de voir plein de trucs. Vous avez un profil qui a été créé avec Twitch et vous avez des statistiques, etc. etc. Voilà. Vous voyez, par exemple, voilà, ça fait 2 heures et 18 minutes que je suis en live. C'est déjà pas mal. Il va falloir qu'on trouve une idée d'ailleurs pour le live de la semaine prochaine. Hein. Je pense que la semaine prochaine, on va se tenter au maquillage en direct, mais alors ça va pas être évident. Hein.
Ah bah écoute, chacun son point de vue, Freelax, hein, mais moi je peux te dire que tous les streamers qui sont emmerdés sont des streamers qui ont des ordinateurs qui ont été faits par des indépendants. Tu regardes les, par exemple, grandes chaînes ou alors les sponsorisés qui ont du matériel gratos par ces marques-là, ils sont beaucoup moins emmerdés que les autres. Hein. Alors, après chacun son point de vue, mais moi c'est un constat que je fais. Hein. C'est du constat. C'est, voilà, c'est que les usines qui ont des moyens supplémentaires pour monter des ordinateurs dans de bonnes conditions, sans électricité statique, sans poussière, etc., proposent des ordinateurs beaucoup mieux montés que l'indépendant qui va dire « Ouais, je te mets ce composant-là parce que c'est le meilleur du moment, tu vas voir. » Après, il ne faut pas oublier non plus que ce sont des commerçants, les gens, hein, et que donc bien souvent, ils vous donnent une configuration supérieure à ce que vous avez réellement besoin juste pour faire du chiffre d'affaires. Hein. Donc voilà, moi je pense par exemple à Solary, les ordinateurs Solary, il me semble que c'est des ordinateurs qui sont préconçus, là, Predator, ils n'ont jamais de problème, tu vois pas un ordinateur comme ça avec une carte mère qui crame ou chez Solary. Bon, Predator, ils sont bien aussi, c'est fait par HP, il me semble, je sais plus. Mais toutes les personnes qui font confiance à un indépendant, bah, à chaque fois, je suis désolé, je vais sur leur live. Ah oui, bah, alors aujourd'hui, ça rame. Ah oui, bah, alors aujourd'hui, je sais pas, l'ordinateur, il a du mal à démarrer. J'ai tel composant qui marche pas. Ma prise USB, je suis obligé de la débrancher, de la rebrancher. Moi, j'aurais un ordinateur comme ça au prix qui coûte, parce qu'en plus, il coûte très cher. C'est des ordinateurs à plus de 1000 euros, même des fois beaucoup plus. Mais je pèterais un câble, quoi. Je pleure devant mon écran, moi, en direct. Moi, je conseille des ordinateurs qui sont certes personnalisables, mais faits par des grandes marques et qui sont... Enfin, un ordinateur dans lequel vous pouvez mettre tous les composants de la planète, si on vous propose, voilà, vous allez voir quelqu'un, même un indépendant, parce qu'il doit quand même avoir des indépendants qui font bien leur travail, mais... Si vous allez voir un indépendant, vous lui dites, voilà, je veux être streamer, je veux un bon ordinateur, et qui vous propose n'importe quelle carte graphique, avec n'importe quel processeur, avec n'importe quel disque dur, avec... non. Allez voir ailleurs, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel processeur avec n'importe quelle carte graphique, avec n'importe quel disque dur. Il faut un disque dur rapide, avec un processeur rapide et une carte graphique rapide, et de la mémoire cache rapide et de la mémoire vive rapide. Parce que vous pouvez avoir, 64 Go de mémoire vive. Si c'est de la mémoire vive qui est lente, ben elle servira à rien à la mémoire. Ah bah Freelax, écoute, ça fait plaisir ton petit message, comme ça on va pouvoir te virer, dis donc. Va faire des études et puis après tu en reparleras, hein. Voilà, moi j'ai étudié là-dedans, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas étudié l'architecture de l'ordinateur, j'ai étudié comment on crée un processeur. Et on apprend beaucoup de choses. Tout le monde me demande de tester la crème The Ordinary à l'acide azélaïque 10%. Mais écoutez, on me le demande tellement que ça me dégoûte de le faire, quoi. Parce que franchement, oui, mais déjà, c'est pas la seule marque à proposer l'acide azélaïque. Et puis après, j'ai d'autres choses à tester en ce moment. Donc si un jour j'en ai besoin, je sais que ça existe. Mais voilà, c'est tous les jours, on me dit teste ça, teste ça, teste ça. Voilà, genre, je vais le tester, hein, mais bon. En plus, il paraît que maintenant, c'est vendu... chez Nocibé, il me semble, les produits The Ordinary. Il y a une parfumerie qui les vend. Donc bon, mais effectivement, je sais que The Ordinary vend une crème à 10%. Mais voilà, j'ai pas envie de la tester pour le moment. Et voilà, tant que je l'aurai pas testé, je pense que j'aurai 10 messages par jour à propos de cette crème. C'est pas contre toi, mais c'est juste que c'est lassant d'avoir énormément de fois les mêmes remarques. Tous les jours, même les jours où tu te dis que tu travailles pas, tu reçois toujours des commentaires, tu reçois toujours des... Ah, c'est... Je pense que si vous voulez un avis sur cette crème à l'acide azélaïque, bah vous allez voir sur YouTube, vous cherchez The Ordinary 10% et vous aurez des avis, mais... Voilà quoi, moi j'ai pas envie de tester ça pour le moment, parce qu'en plus on m'a dit que c'était très riche en silicone, et le silicone c'est occlusif, et après je l'ai pas testé, donc je peut pas en dire plus, mais si c'est occlusif, ça donne des points noirs. Donc, moi, pour le moment, je suis plutôt dans la découverte de soins plutôt naturels. On en reparlera sur YouTube et on verra après ces soins-là si, effectivement, je teste l'acide azélaïque de The Ordinary. Mais... Bah, 6 euros, c'est cher, justement. Parce que moi, je connais de l'acide azélaïque chez Cosmia à Auchan qui a 2 euros et qui fonctionne du tonnerre. Et qu'il n'y a pas de silicone dedans. Ou en tout cas, elle n'est pas très épaisse comme crème. Je ne sais pas s'il y a du silicone dedans. Mais... Donc 6 euros, c'est... Voilà, c'est...
Si chez Auchan, il y a une crème à l'acide azélaïque, il y a une lotion à l'acide azélaïque et il y a un nettoyant qui contient pas d'acide azélaïque mais qui est de la même gamme. C'est une marque Cosmia. Et ben c'est 2 euros l'acide azélaïque et c'est franchement, il marchait bien. Il marchait super bien. Donc, les produits Cosmia, franchement, alors les produits soins, hein, parce qu'après les déodorants et les gels douche, j'ai trouvé que c'était pas aussi bien qu'avant. Mais les produits soins Cosmia, franchement, ils ont même de la crème anti-rides à 2 euros, pareil, 2-3 euros. Franchement. Ah oui, mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que l'acide azélaïque, le but, c'est d'assécher la peau et de purifier à mort. Donc, effectivement, la crème Cosmia à l'acide azélaïque, c'est une crème qui assèche énormément, puisque le but de la crème, à l'origine, c'est quand même d'enlever les boutons. Et c'est pour ça que moi, je l'utilise, mais un peu comme un sérum, et que je mets une autre crème au-dessus. C'est-à-dire une crème plus riche au-dessus pour éviter d'avoir la peau qui tiraille. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment l'effet anti-bouton, anti-point noir de l'acide azélaïque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet anti-rougeur. Donc voilà. Mais bah, 10% d'acide azélaïque, vous savez, l'acide azélaïque, c'est réglementé par les lois européennes. Donc 10% déjà, c'est pas beaucoup. Parce qu'on trouve sur ordonnance des crèmes à 15 et à 20% d'acide azélaïque. Et qu'est-ce qui vous dit que dans les autres crèmes à 2 euros, il n'y ait pas également 10% d'acide azélaïque? On ne sait pas le pourcentage parce que tout le monde ne le marque pas. Donc 10%, est-ce que c'est beaucoup? Je ne sais pas. Bon, qui c'est qui est en live là? Parce qu'après, je vais devoir faire... Je vais devoir faire un petit host. Et sinon, on prendra quelqu'un au hasard. Bon, moi, j'ai beaucoup de gaming hein, dans... Oh! J'ai peut-être trouvé quelqu'un à raid. Après, les jours de canicule, quand il faisait 40 degrés, je pense que la crème à l'acide azélaïque de Cosmia aurait été géniale parce que franchement, on n'avait vraiment pas besoin d'hydratation ces jours-là. Donc voilà, c'est vraiment une crème, c'est marqué pour peau grasse. Après, si on n'a pas la peau très grasse, la crème ne conviendra pas. Mais elle peut être utile avec une autre crème parce qu'elle contient de l'acide azélaïque et qu'elle fonctionne super bien. J'ai pas testé ces sérums là chez Action. Action, ils sortent plein de produits tout le temps et on peut pas tout tester. Sinon, on achète tout le magasin et après, on sait plus où en mettre des produits. Donc, on n'a plus de place chez soi. Donc, j'ai pas. Moi, je sais qu'à l'époque, il y avait un sérum chez Action. C'était le Elisa Jones qui contient de l'acide hyaluronique. C'est bien ça. Pas confondre l'acide azélaïque et l'acide hyaluronique. Ce sérum-là, à l'acide hyaluronique et aux extraits de perles de Tahiti, il était génial. Maintenant, je ne sais pas s'ils vendent encore et je connais pas les autres sérums. Ah ouais, non, le Anilène, et je l'ai là, vous voyez, c'était pas prévu. Hein. Le Anilène de chez Prady Parfum, franchement, excellent. Franchement, 2 euros, 3 euros, on le trouve sur Internet. Génial. Et alors, on le trouve même sur eBay et il y a des vendeurs qui font des lots. Si vous l'achetez en lot avec deux autres parfums, je crois que les trois parfums sont à 6 euros. C'est génial. Alors moi, je l'économise parce que c'est un des parfums préférés de Monsieur Beauté en Herbe. Il aime beaucoup quand je mets ce parfum-là. Et donc, bah, j'en mets pas souvent. Mais alors, là, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Et ben, il sent encore au niveau du petit pulvérisateur. Et alors, chez Prady Parfum, vous avez plein d'autres parfums qui sont également de très bonne qualité, qui ressemblent à des parfums de grande marque. Ce sont des parfums génériques. Et franchement, c'est la marque la moins chère, Prady Parfum. Bah moi, j'ai testé Anilène et j'aime bien. Alors après, j'avais un site où ils vendaient les parfums Prady à 3 euros ou 2,50 euros, je sais plus. Mais le site, je crois qu'il n'existe plus.
Donc, il faut chercher. Il faut chercher. Parce que les parfums Pradis, c'est de plus en plus rare. Je sais pas s'ils ont arrêté d'en faire. Mais c'est des très bons parfums. Donc, si vous en voyez, bah, faites des stocks. Parce qu'après, quand il n'y en aura plus, on sera triste. C'est comme les parfums Tutti. Ça se vend dans certains magasins de bazar. Il y a le Tutti Patchouli, par exemple. Le Tutti. Et ben, ces parfums-là, ils commencent à disparaître également. C'est-à-dire que dans trois magasins où ils en vendaient, on ne les trouve plus. On a quelques flacons qui restent, mais j'ai l'impression qu'ils arrêtent la commercialisation. Donc là également, si vous aimez les parfums Tutti, comme Tutti Coco, qui sont là, très très forts, qui sentent le monoï, le Tutti Patchouli, qui sent très bon également, ben, faites des stocks parce qu'après, il n'y en aura peut-être plus. Alors je sais pas, c'est peut-être parce qu'ils changent le packaging, hein, mais il y a des produits comme ça qui disparaissent, ou alors les rayons se vident et ils ne sont pas réapprovisionnés, on ne sait pas pourquoi, donc bah écoutez. Insolence de Guerlain. C'est de Guerlain, il me semble, Insolence d'ailleurs, non? Je sais plus. Ce parfum-là, je l'aime énormément, mais j'ai une amie qui ne le supporte pas. Donc j'évite d'en prendre même un parfum générique parce que. Oui, mais alors je crois que j'avais été voir sur Eva Beauty Access et le problème c'est le prix. Parce que les parfums Pradi, attention, ils sont à 3 euros unité. Si vous les payez plus cher, autant prendre des parfums Nox qui sont quand même encore plus de meilleure qualité, hein. Parce que ne payez pas non plus 8 euros un parfum comme ça qui contient que des agents chimiques finalement. Hein, parce que je pense pas qu'il y ait des composants d'origine naturelle dans les parfums Pradi. Alors que les parfums Nox, il y a des plantes. Donc voilà, Insolence de Guerlain, moi j'aime beaucoup, mais j'ai une amie qui ne peut pas le supporter. Et donc bon, bah, j'évite de. Vous savez, il y a certains parfums comme ça que j'aime bien, pareil que ma mère a horreur. Donc j'évite de les mettre, soit quand je vais. Alors après c'est compliqué. Quand je vais chez ma mère, je dois mettre tel parfum, mais pas tel autre. Quand je vais chez mon ami, je dois mettre tel parfum, mais pas tel autre. Alors finalement, je préfère ne pas les acheter. Puis en plus, j'en ai tellement beaucoup que. Ah, la différence entre l'acide hyaluronique et l'acide azélaïque. L'acide hyaluronique, c'est un agent hydratant, c'est-à-dire que ça va augmenter la quantité d'eau dans les cellules de la peau. Et l'acide azélaïque, c'est un agent purifiant qui va empêcher les boutons, les points noirs, et également ça fonctionne sur les rougeurs, on ne sait pas trop comment. Voilà, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que l'acide azélaïque, c'est le seul truc qui marche sur mes rougeurs, et pourtant j'en ai testé, hein, des trucs. J'ai même testé des crèmes sur ordonnance. Hein. Alors après, on peut avoir normalement de l'acide azélaïque plus dosé sur ordonnance, mais aucun dermatologue n'a voulu m'en prescrire. À chaque fois, on me prescrit les mêmes crèmes qui ne fonctionnent pas, donc j'ai abandonné l'idée. Maintenant, j'achète l'acide azélaïque moi-même. Et ben, je fais mes soins à l'acide azélaïque moi-même. D'ailleurs, j'ai une petite liste sur Amazon de soins à l'acide azélaïque, parce que j'ai vu notamment qu'il y avait un sérum à l'acide azélaïque qui doit être très intéressant, parce que finalement, l'acide azélaïque, selon moi, c'est quelque chose qu'on doit utiliser comme un sérum, en plus du reste. Ah bah moi j'écoute plein de styles de musique. Mais vraiment, tout style de musique. Ça passe de l'accordéon au rap, à la musique électronique. Et franchement, ouais, il m'arrive d'écouter certaines musiques. Donc, alors, j'en ai reçu un parfum Adopt. C'est une abonnée qui me l'a offert, mais comme elle l'a dit elle-même, le parfum Adopt, c'est un parfum léger. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les parfums capiteux, les parfums qui sentent fort, et j'ai l'impression que chez Adopt, c'est plus léger. Parce que parfum générique, c'est bien, mais si c'est pour avoir une odeur diluée qui ne tient pas. Donc, celui que j'ai, je vais le tester, mais pour l'instant, j'en ai eu qu'un, donc je ne peux pas me prononcer. Et puis, j'ai pas de boutique Adopt à côté de chez moi, je ne peux pas aller tester. Mais j'ai l'impression qu'Adopt, c'est quand même assez léger. Alors que le Anilène, par exemple, c'est vraiment. C'est vraiment le même. Hein? On ne dira pas c'est lequel. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de publicité comparative pour les parfums. Mais ça, c'est vraiment. Et alors, il sent fort, mais vous en mettez sur un vêtement, le lendemain, quand vous reprenez le même vêtement, il sent encore.
C'est un, voilà, parce qu'il y a certains parfums, ok, ça sent quand on en met, mais une heure après, ça sent plus. Là, c'est vraiment un parfum costaud. Et c'est rare de trouver des parfums costauds à petit prix. Après, qui ressemble à une grande marque ou qui ne ressemble pas à une grande marque, moi, je m'en fous un petit peu. Hein. Le truc, c'est que moi, j'aime bien les parfums forts. Après, la marque, c'est pas mon truc, moi. C'est du moment que ça sent bon et que ça sente force et que ça tienne, c'est le principal. Qu'ils aient copié tel ou tel, de toute façon, les grandes marques entre elles se copient. Hein. Donc, je veux dire, maintenant, il y a même des parfums, on sait plus les reconnaître. On sait pas si c'est le Flower Bomb ou si c'est... À un moment, il y avait beaucoup de parfums qui se ressemblaient en parfumerie, hein, de grandes marques. Donc, c'est pas à moi d'où vient le parfum, etc. Ça, c'est pas. Moi, ce que je veux, c'est que ça sente fort, que ça sente bon, que ça tienne et que ça soit un prix juste. Parce que les parfums, ça coûte peut-être 30 centimes. Le parfum lui-même coûte 30 centimes à produire. 30 centimes d'euros. Et des fois, on nous les vend 40. Ah oui, mais alors, faut payer les géris, faut payer la pub, faut payer la boutique, les employés de la boutique, les impôts, les. Bah oui, mais bon, au bout d'un moment, quand même, ça fait un petit peu chéreau pour ce que c'est. Parce que là aussi, on pourrait penser que dans des parfums de luxe, on parle pas des parfums grand luxe, hein, qui ne se vendent même pas en parfumerie. Ils se vendent que dans les boutiques spécialisées. On parle des parfums en parfumerie, de marques de luxe, hein, Chanel, Dior, etc. Ces parfums-là, on pourrait croire que, parce qu'ils sont plus chers, ils sont de meilleure qualité. Or, ils contiennent également des composants synthétiques, c'est-à-dire que ce n'est pas des extraits de plantes, ce n'est pas des huiles essentielles, c'est des composants chimiques, les mêmes que vous retrouvez dans votre lessive, dans votre gel douche. Et franchement, ça fait un peu chéreau, quoi. Si encore ils nous vendaient des parfums de qualité exceptionnelle. Mais non, hein. Un exemple tout con, c'est un parfum qui contiendrait du muguet. Alors le muguet, il faut le savoir, le muguet, c'est une fleur qui pousse, on offre au 1er mai, mais c'est une fleur dont on n'arrive pas à extraire le parfum. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, si on prend les plantes, qu'on les distille, qu'on les macère, qu'on peu importe la technique, on n'arrive pas à extraire le parfum du muguet. Conclusion, tous les parfums qui contiennent du muguet sont des parfums qui contiennent un arôme chimique synthétique de muguet. Et il faut savoir que du coup, cet arôme synthétique de muguet, c'est le même que vous achetiez eh bien, un nettoyant pour le sol chez Aldi, parce que Aldi vend, ou chez, il vendait, je ne sais pas s'il vend encore, mais il vend un nettoyant pour le sol qui sent très bon le muguet. Eh bien, cet arôme-là chimique, synthétique, ce sera le même dans le nettoyant pour le sol de chez Aldi que dans un parfum plus cher, voire même un parfum de luxe, puisqu'on ne peut pas extraire naturellement ce parfum. C'est une des plantes comme ça dont on ne peut pas extraire effectivement le parfum. Et donc, eh bien, ça fait un peu cher, vous voyez. Et la différence de prix entre le nettoyant pour le sol de chez Aldi et le parfum en parfumerie, c'est pas justifié. Je suis désolé, on a beau mettre toute la pub qu'on veut, tout le glamour qu'on veut, c'est pas justifié. Et de toute façon, vous regardez les plus riches de la planète ou les plus riches français, hein, les français les plus riches, les personnes là que parfois on critique parce qu'ils ont des salaires un petit peu indécents, bah ces personnes là souvent elles travaillent dans la parfumerie, hein. Donc dans la parfumerie, la cosmétique, hein. Donc bon, après il faut savoir, hein, ce qu'on veut dans la vie, mais on peut pas acheter des produits à ce prix là et en même temps critiquer les personnes riches qui gagnent trop d'argent. C'est pas logique. Et donc ça veut dire que dans le monde de la parfumerie, il y a quand même énormément d'argent qui est pris et qui n'est pas justifié. Je veux dire, c'est pas les produits qui coûtent, hein. C'est pour s'enrichir autant, c'est qu'on vend des produits qui coûtent très peu cher et qu'on les vend très cher. Voilà, les coûts de production sont très peu chers et finalement on les vend très cher et c'est comme ça que certaines personnes s'enrichissent. Et du coup, en plus, si l'argent était réparti, c'est-à-dire si on payait bien les vendeurs, si on payait bien tous les maillons de la chaîne, les producteurs de parfums, si on payait bien tout ça, ce ne serait pas indécent de vendre un produit 40 euros alors qu'il coûte 30 centimes à produire. Mais le problème, en plus, c'est que c'est les personnes tout en haut qui s'en mettent plein les poches et la vendeuse est toujours payée au SMIC. Et en plus, elle se fait engueuler parce qu'elle fait pas assez de chiffre d'affaires. Donc moi, je préfère acheter des petits parfums comme ça... générique, bien sûr, de temps en temps je me fais plaisir, j'achète un parfum plus cher, mais
voilà, faut pas non plus, faut dire les choses, quoi. Et moi, c'est pour ça que j'ai un peu du mal aussi, hein, que très peu de marques me contactent pour les produits gratuits, etc., parce que je dis les choses. Après, c'est sûr que si on a un budget illimité, autant se faire plaisir et aller acheter en parfumerie, parce que les packagings seront plus beaux, parce que c'est eux les créateurs quand même du produit. Hein. Il y a quand même la recherche derrière, il y a des nez qui recherchent des senteurs, même si j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins, parce que j'ai l'impression que tout le monde copie tout le monde. Mais bon, à l'origine, c'était ça. Le monde de la parfumerie, à l'origine, c'était très, très recherché. Hein. Avant, dans le temps, on avait des parfums qui étaient élaborés par des nez, avec des composants naturels, qui sont même parfois interdits maintenant, comme le musc. Hein. Le musc, ça provient d'une glande, d'un animal. Ça a été interdit. Donc, avant, on avait une certaine qualité dans la parfumerie qu'on ne retrouve plus, parce que maintenant, tout le monde copie tout le monde. Et, eh bien, on a des parfums synthétiques. Et donc là, moi, je ne suis plus d'accord avec ça. C'est-à-dire que je veux bien qu'on achète plus cher un parfum de qualité, mais les parfums qui ont des composants d'origine synthétique qui coûtent 30 centimes à produire, les vendre à plus de 40 euros, c'est pas normal. Au revoir Apache. Bon bah il est 20h01, moi je propose qu'on fasse déjà pour commencer un petit point sur eh bien nos habitués qui ont suivi eh bien mon stream aujourd'hui. Et puis après eh bien je vais vous envoyer vers une personne si elle est encore en live. Hop, on va fermer ça déjà, on va retourner sur eh bien la petite liste des habitués et. Hop, alors on en était où dans cette histoire? Eh bien, il y a Clacla6233 qui eh bien, a suivi ma chaîne, que je remercie énormément. Ensuite, il y a JL Baba La Anziz qui a suivi eh bien, mon live et que je remercie énormément. Il y a Kixel FN qui suit ma chaîne et que je remercie énormément. Il y a Vent Style 101, Norvald, SR for Light. PWHTS Babylon, Nguyer, Aricorex 0058, Caroline 6030. Également, on a Brave Girl, Big Heart, on a Freelax 21, Fierce Julia, Lolita 24, Intrépide, Kourou, Regarde mes yeux. Stupid Licorne, le cal conde. Ah oui, le caleçon de Sardoche, ça c'est des pseudos à la con ça. Omega Mic 18, Sabri Brisson, Estelle Lewak. Eh bien, merci à tous pour eh bien vos follow. Vous devenez des habitués de mon stream. Hop. Et eh bien je vous remercie. Hein. Du coup, on va faire un petit point sur le nombre de followers que j'ai sur Twitch, qui est déjà énorme. Donc hop, on va mettre ça en année hein, puisque ça fait plus d'un mois. Ça fait 438 followers, c'est génial. On est bientôt aux 500 followers. Il me semble qu'on a des petits badges qui s'affichent, des petites récompenses qu'on atteint les 500 followers. Ça sera pour bientôt et ça c'est cool. Bon appétit Miss Petit Chat. Et eh bien écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end parce que c'est ça à l'origine hein. les avant-premières, les lives le vendredi soir, c'est pour se détendre et c'est pour vous souhaiter un bon week-end. Ceux qui seront restés jusqu'à la fin auront un petit scoop. Donc demain soir normalement il y a une soirée cabaret gratuite Place d'Armes à Valenciennes, donc en plein air. Et donc bah, moi j'y serai. Voilà, si vous voulez une petite photo, sans trop me déranger pendant des heures, parce que je suis pas quelqu'un de très bavard dans la vie de tous les jours. Mais sachez-le, je serai donc à la soirée cabaret demain soir. Si tout se passe bien, si j'ai pas de soucis de voiture, ou on sait jamais, mais voilà. Normalement, donc c'est à partir de 19h30, Place d'Armes, à Valenciennes. Il y a une première partie avec un groupe de musique et ensuite une soirée cabaret. Eh bien écoutez, moi je vous remercie d'avoir été présent sur ce live qui est très 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 chaotique, ce live. Hein, bon, j'espère que le son était bon. Je peux même pas savoir si le son est bon. Hein, parce que moi personnellement j'avais le retour avec mon téléphone mais... Oups là. J'avais le retour avec mon téléphone mais j'avais coupé le son. Hein, donc j'espère que ça s'est bien passé. En tout cas on a pu communiquer et c'est le principal. Et donc, eh bien, je vais voir qui, vers qui je vous envoie maintenant. Parce que c'est pas fini, hein. Je vais vous envoyer vers une personne. Est-ce qu'elle est encore présente?
Voilà, oui, visiblement elle est toujours en ligne. C'est une anglaise, donc ça sera anglais, mais je pense que vous allez comprendre. Et de toute façon, le maquillage est un langage universel. Et en fait, eh bien, tout simplement, c'est une personne qui fait un Get Ready With Me en direct. Oui, vous avez bien entendu, dans la Beauty and Body Art, il y a un petit Get Ready With Me en direct. Et donc, je vous envoie vers sa chaîne, que je vais également regarder, parce que ça m'intrigue. Et comme ça, je vais voir un petit peu comment elle fait, si j'en fais un jour, etc. etc. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et puis, je vous dis à vendredi prochain, 17h. Pour un nouveau live en direct sur Twitch, en espérant qu'on ait les alertes et qu'on ait tout qui fonctionne, y compris l'image, parce que là je vois que l'image elle est fixe. Enfin bref, peu importe, le principal c'est d'avoir, eh bien, le son qui fonctionne. À bientôt.